Insulté.
S'ils veulent parler d'eux, c'est leur problème. Mais je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Je vois que les gens arrivent au fur et à mesure, c'est le plus important. Oh, c'est les gens qui croient que le président de la transition est devenu un dieu. Il est dieu pour vous, il n'est pas dieu pour moi. Olivier n'est pas un dieu pour moi, il est dieu pour vous. Donc voilà, c'est vraiment bête pour certains Gabonais de penser que Olivier est arrivé, il va régler tous les problèmes du Gabon. Les Gabonais n'auront plus de problèmes, ils auront à boire et à manger. C'est stupide de penser ça. C'est stupide, même je comprends pas. Bah écoutez, on va en parler tout à l'heure. Ouais, parce que je l'ai partagé. En fait, je fais le live sur ma page, sur mon mur direct, parce que je vais parler sur les autres pages. C'est pour ça. Donc, j'ai voulu que ce soit pour éviter les emmerdeurs, parce qu'il y a des gens qui pensent que ils sont arrivés, et puis, voilà. Leurs problèmes sont résolus. Ouais.
Frère Thibault, nous sommes là pour t'écouter. Il n'y a pas de problème, je vais vous écouter moi aussi. J'attends au moins qu'on arrive une petite centaine. Et à partir de là, on pourra parler. Non, j'ai pas besoin de me mettre les cœurs, j'ai pas besoin d'appeler les gens. Je n'appelle personne. Je vais juste parler, j'ai pas besoin de mettre les cœurs, j'ai pas besoin d'appeler les gens. Voilà, c'est ça. C'est ma logique. Salut Elvis, Clovis. J'attends qu'on soit une petite centaine et on va commencer parce que ça serait un peu long. Donc, j'attends juste qu'on soit une petite centaine, ça va pas tarder. Donc, après, on va commencer à parler et puis les autres viendront après. Bonsoir, Perrine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je regarde, je scrute. On est en train de monter. Ça va arriver, on va commencer. Non, je ne vais pas rentrer au pays. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne vais pas rentrer au pays. Et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer au pays. Si c'est le piège que vous avez tendu, ça ne passera pas. Je ne vais pas rentrer au pays. Annie Glenn, je te comprends bien, je comprends bien ce que tu veux dire, mais vous savez, nous sommes au Gabon où le PDG a tellement travaillé les cœurs, les cerveaux des Gabonais, et certains pensent qu'Oligui est arrivé, leurs problèmes sont résolus, le Gabon, tous les problèmes du Gabon sont réglés. Mais dans quelques temps, les mêmes viendront pleurer ici, ils viendront se plaindre, parce que c'était comme ça avec Ali Bongo en 2009. Tout le monde m'insultait, tout le monde me menaçait, la suite m'a donné raison, et je crois qu'on est parti pour le même schéma. Je crois qu'on est reparti sur le même schéma que celui d'Ali Bongo. En 2009, j'étais insulté, j'étais calomnié, j'étais même répugné par certains des miens. Et après, par la suite, les gens finissent par me donner raison. Donc c'est comme ça, souvent ça commence. Les Gabonais, ils sont comme ça. Quand quelque chose est nouveau, tout beau, tout nouveau, leurs problèmes sont réglés. Et après, quand ils vont comprendre que ça ne se passe pas comme il se doit, les premiers commenceront à venir pleurer. Donc pour eux, tout est bien, ça va, Oligui va régler tous leurs problèmes. Même en France, même dans les pays développés, quand un nouveau président arrive, il ne réglera pas vos problèmes. Faut pas se faire d'illusions. Et en plus forte raison, une marionnette que nous avons, il ne va pas régler vos problèmes. Faut pas vous faire d'illusions. Mais justement, tous sont des pédagogistes. C'est un système. C'est juste, je vous comprends, c'est tout un système. Parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que, en fait, les gens, ils voient juste Oligui arriver. On vous a fait croire que c'est un coup d'État. Il n'en est rien. Ce n'est pas un coup d'État. C'est pas du tout un coup d'État. Parce qu'un coup d'État ne se passe pas comme ça. Un coup d'État, je n'ai jamais vu un coup d'État où on reconduit les mêmes pédagogistes qui ont détruit le pays. Aux plus hautes fonctions de l'administration. Un coup d'État ne se passe pas comme ça et ça n'a pas l'air d'un coup d'État. Donc, coup d'État, c'est un abus de langage. Personne n'a fait un coup d'État au Gabon. Il faut dire que c'est plutôt une guerre larvée entre les Bongo Valentin et les Bongo Valentin associés au Bongo Sassou contre les Bongo Ndimba associés au Bongo Valentin contre les Bongo Sassou, contre les Bongo Valentin, c'est tout.
Donc il faut le comprendre. C'est pas un coup d'État. On n'a pas assisté à un coup d'État. Vous voyez, je vois des gens qui rentrent, mais demandez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient en France. Parce que quand en France vous avez une vie, vous ne pouvez pas rentrer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Demandez-vous ce qu'ils font. À quel moment tu déposes, comment on appelle, le préavis pour les enfants à l'école? À quel moment tu déposes le préavis au boulot, sachant que c'est au moins 1 à 2 mois? À quel moment tu déposes le préavis à la maison, etc. Demandez-vous ce que ces gens-là faisaient. Tout le monde ne peut pas rentrer. Oligier est venu pour s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas venu pour s'éterniser. Il a une mission, qui est de passer le pouvoir ensuite à quelqu'un d'autre. Donc, il est là pour y faire son temps, et ensuite, il va passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est vous qui pensez qu'il est venu régler vos problèmes. Combien de bongos sont en prison? Aucun. Tout le monde sait que les bongos ont mis ce pays à genoux. Aucun bongo n'est en prison. Arrêtez de vous faire des illusions. Je vais vous amener à comprendre. Et ça me rappelle 2009. 2009, tout le monde était contre moi. Tout le monde m'insultait, tout le monde me menaçait. À la fin, tout le monde est venu me rejoindre. Et là, je vous dis, le schéma se répète. Le schéma se répète parce que les mêmes gens sont encore en train de commettre les mêmes erreurs. Tout le monde, Oligier a compris, et ça, c'est depuis Farjon, il a compris qu'au Gabon, il suffit juste de donner un peu d'argent aux gens, de donner un peu de poste, ils vous laissent tranquille. La société civile, Brain Forest, je ne sais quoi d'autre, ils sont où aujourd'hui? Regardez le jeune qui a été tué. Qui parle? Qui ouvre sa bouche? Personne. On n'a pas de... Et c'est ce qui donne la mauvaise image de la politique au Gabon. On n'a que des affamés. On n'a pas des gens dignes de combattre. On n'a que des affamés. On n'a que des affamés. Il n'y a pas des gens qui peuvent combattre. Essayez de nous supporter. Je ne cherche pas un poste, je l'ai dit. Je ne cherche pas un poste, je ne cherche pas à être nommé. Ce n'est pas mon but. Pour ceux qui connaissent, je suis responsable dans une administration en France, donc j'ai pas besoin d'être nommé, j'ai pas besoin de poste d'oligarque. Voilà, je suis venu en France faire des études, j'ai fini de faire des études, je travaille, je n'ai pas besoin de demander de poste à oligarque. Voilà, je n'ai pas besoin de rentrer. Le Gabon, quand tu es bon partout. Tu es bon partout. Je peux quitter la France pour aller travailler aux États-Unis, au Canada, même au Ghana, où je ne sais où, je suis bon dans mon domaine. Je pourrais travailler, je trouverais du travail. Le travail ne se trouve pas nécessairement au Gabon. Donc voilà, on fait quoi? On prend Sylvia, on prend Nouridine, on met en prison, des éventails qu'on met en prison, et on vous dit le tour est joué, ça y est, le Gabon est libéré. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ils ne mourront pas en tout cas. Ils auront les naïfs, mais ils ne mourront pas. Donc on va attendre que les gens se connectent et puis ensuite on pourra parler. Oligarque à Kigali dit qu'il a ouvert le pays. Mais le pays était fermé. Qu'est-ce qui avait fermé le pays? Oligarque n'est pas comptable de ceux qui avaient fermé le pays? Ou bien Oligarque est né hier? Oligarque, ce sont les mêmes gens qui ont mis le pays dans les problèmes. C'est aujourd'hui que vous voyez Oligarque comme un libérateur. Ce sont les gens qui ont mis ce pays-là dans le problème. Ce sont les gens qui ont pillé les finances de ce pays. C'est quand même dommage que vous preniez vos bourreaux d'hier aujourd'hui comme étant des sauveurs. C'est triste. C'est vraiment triste. Oligarque est comptable de la situation actuelle du Gabon. Financière, politique, il est comptable. Il ne peut pas s'en défaire. Il était dans le système avec Omar Bongo. Il était dans le système avec Ali Bongo. Et c'est cela que vous appelez libérateur? Pourquoi n'a-t-il pas mis quelqu'un qui a les mains propres? C'est quand même triste de voir des Gabonais se comporter ainsi. Ça me fait mal, ça me fait très mal. Ça me fait très, très, très mal. Vous ne pouvez pas savoir. Que des Gabonais prennent Oligarque aujourd'hui comme un sauveur. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes au point de prendre Oligarque pour un sauveur? Non, mais il y a un problème dans ce pays. Il a sauvé qui? Par rapport à quoi? Oligarque était chef de la garde républicaine. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est triste. Le chômage bat son plein. Oligarque est là depuis 2 mois. Ça fait 2 mois le 30. Le chômage, il n'a aucune feuille de route.
aucune visibilité. Il ne vous dit rien. La seule chose qu'il a eu à dire, ceux qui ont pris l'argent, venez terminer les travaux. Et les autres, on fait comment? Et le budget qu'ils ont laissé, on fait comment? Il faut nous dire. Il faut faire des choses proprement et nous dire ce qu'il en est. Comment des Gabonais peuvent supporter quelqu'un? Il n'a ni fait une route, il n'a ni ambition, il ne sait même pas où il va lui-même. Mais vous, vous commencez à le supporter. J'entends des gens qui me disent, il faut rentrer. Rentrer faire quoi? Rentrer faire quoi? Essayez de m'expliquer, je ne comprends pas. Je vais rentrer faire quoi? Il n'arrive pas à trouver du boulot. À ceux qui sont au Gabon, c'est à moi qui va trouver du boulot. Je ne suis pas malheureux en France. Je vous parle, je suis chez moi. J'ai l'air de quelqu'un de malheureux. Attendez. J'ai l'impression de rêver, mais j'ai l'impression de rêver. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Il faut qu'on règle cela. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de 10 000 personnes. Je n'ai pas besoin de 1000 personnes. J'ai juste besoin de faire passer mon message à quelques personnes. Ce message relayé, je pense que les Gabonais vont commencer à ouvrir les yeux. Quand en 2009, j'ai commencé à expliquer aux Gabonais qu'attention, le régime d'Ali Bongo, voilà, on m'insultait, on me menaçait. Aujourd'hui, tout le monde a fini par me donner raison. Je vous alerte à nouveau qu'attention, le système qui est mis en place n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour sauvegarder les intérêts de certaines personnes. Donc, si vous pensez qu'ils sont là pour vous, c'est votre problème. Oui, Laurence Ndon était au cimetière ce matin avec sa famille. Ouais, c'est ça, la bonne blague. Mais ça, c'est encore une fois, j'ai compris que les Gabonais parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Vous pensez que quelqu'un se lève un matin pour dire que Laurence Ndon est d'origine camerounaise? On en parlera tout à l'heure. On va attendre juste qu'on puisse atteindre les 100 personnes. Donc, et là, on va parler. Vous pensez que moi, mon papa, il est décédé? Pour aller à faire la tombe de mon papa, j'ai besoin d'aller avec les caméras et les photos. Qu'est-ce que j'ai à montrer? Laurence Ndon était au Gabon au mois de mars. Je crois février, mars de l'année dernière. Pourquoi n'est-elle pas allée faire ce cimetière? Pourquoi n'est-elle pas allée au cimetière? Pourquoi n'est-elle pas allée au cimetière? C'est aujourd'hui qu'elle se rend compte que son papa est mort? Mes enfants. Vous pensez que moi j'ai besoin d'aller faire la comédie sur... Ça se passe dans la tête. Quand quelqu'un est en train de tricher, il se bat avec sa mémoire. Et c'est pas moi. Elle ne me trompe pas. Elle ne vous trompe pas. Elle se ment elle-même. Elle se bat avec sa mémoire. Donc voilà. Oligine, c'est... Mais je comprends pas. Tu vas à Kigali, un président de la République. Chacune de ses sorties, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il essaye d'écouter un temps soit peu ses conseillers. Il prend tout la diaspora pour des chômeurs. Oligui sait que je suis en France, je suis pas un étudiant, il le sait très bien. Il dit, j'ai ouvert le pays, il faut rentrer. Je vais aller faire quoi? Le même système Bongo PDG est là. Je vous expliquerai, on va attendre la centaine. Et ensuite, on va commencer parce que je vais vous expliquer ce qui se passe et vous allez comprendre réellement ce qui se passe parce que on ne peut pas vous tromper. On ne peut pas vous tromper. Je sais que vous êtes des gens super intelligents. Vous êtes des gens appelés à comprendre. On ne peut pas vous tromper. Il faut laisser ceux qui pensent que Oligui va régler tous les problèmes du Gabon. Oligui, c'est le Messie qui va régler les problèmes du Gabon. Il n'y aura plus de chômage. Tous les Gabonais auront une pension lorsqu'ils n'ont pas de boulot, ils auront des logements, il y aura des hôpitaux équipés de médicaments, etc. C'est du pipeau. C'est vraiment du n'importe quoi. Quand quelqu'un est bon, ça se sent. On arrive bientôt aux 3 mois d'Oligui. Quel est le bilan? Asseyez-vous, faites-moi un bilan. Quel est le bilan?
Les 100 jours d'Oligui, c'est pour bientôt. Quel est le bilan en 100 jours? Quel est le bilan? Dites-moi qu'il a fait, il a fait ceci, il a fait cela, il entreprend. Bien au contraire, Oligui a aidé Sylvia à aller ouvrir l'école, le béret vert. Et aujourd'hui, il est devenu... Mais non. C'est comme les gens qui ont quitté le Gabon, qui sont venus dans la diaspora, puis aujourd'hui sont devenus des grands hommes au Gabon. Mais j'ai envie de rire. J'ai vraiment envie de rigoler. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Des gens qui sont venus ici, qui ont fait des pieds de grue pour me voir, pour me rencontrer, pour discuter avec moi, sont devenus des grands hommes au Gabon. Mais c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Donc, voilà, on va bientôt attendre la centaine de personnes et je pourrais commencer enfin. Il nous reste juste quelques petites personnes et puis je pourrais commencer ce live qui va durer quelques minutes. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer, excusez-moi, mais c'est rare. En plus, comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas la popularité. Je cherche à faire passer un message. Et si le message est passé entre plus d'une centaine de personnes qui vont le relayer, le message fera un effet boule de neige. Donc, on n'a pas besoin de 10 000 personnes. On n'a pas besoin de 20 000 personnes. Je n'ai pas besoin de faire les lives pour attirer toute la population. Ce n'est pas ça mon but. Mon but est de faire passer un message. Et ce message, je vais le faire passer. Je vais le faire passer. Comptez sur moi parce que on va bientôt atteindre la centaine de personnes. Donc, à partir de 100, on va commencer à faire le live qui va durer quelques minutes. Et ensuite, je vais vous libérer parce que certains demain, c'est sûr, ils travaillent. Et on va voir. Il va donner de l'emploi à la fonction publique. Oui, mais la fonction publique, encore une fois, vous confondez. La fonction publique n'appartient à personne. Il va donner de l'emploi à la fonction publique. Mais vous me faites rire, franchement. Oligui Nguema n'est pas le propriétaire de la fonction publique. Il va donner de l'emploi à la fonction publique, c'est-à-dire quoi, les fonctionnaires seront payés avec sa poche? Mais c'est tout ça qui fait qu'il faut que vous changiez, il faut que vous compreniez. On a compris dans ce pays qu'il suffit de donner quelques postes, il suffit de faire de l'agitation et puis les Gabonais seront avec vous. Les Gabonais vont vous apprécier, ils vont parler de vous, ils vont dire du bien de vous. Mais non, non, c'est pas ce dont on a besoin. C'est pas ce dont on a besoin. Alors donc, je vais pas tarder, je suis sur deux appareils en même temps. Donc, je vais pas tarder, je vais essayer de saluer tout le monde et vous remercier d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter. Ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas un exercice facile. Je fais pas des lives tout le temps, mais je me suis dit, pour une fois, je vais essayer de m'exprimer et puis exprimer ce que j'ai. Surtout depuis le 30 septembre, je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu placer un mot. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais simplement parce que je me suis dit que ce n'était pas le moment. Et voyant la tournure des choses, je me suis dit, j'ai pris le temps de noter tout ce qui s'est passé et j'ai décidé de parler. J'ai décidé de ne pas rester muet, de dire ce que je pense et chaque fois que quelque chose se passera mal, je viendrai le dire. Alors, donc, ce que je vais dire, c'est que je remercie déjà toutes, comme je vous ai dit tout à l'heure, je remercie toutes les personnes qui ont tenu à assister à ce live malgré vos occupations. Je vous remercie déjà d'être là et j'essaierai de répondre tant mieux que mal à vos aspirations, à vos questions et je vais être, on ne peut plus clair avec ce que je vais dire. Alors, permettez-moi ici c'est pas une habitude, mais les pionniers dans ce combat pour la libération du Gabon, nous avons été. Et dans ce combat, il y a eu des gens qui m'ont précédé, qui ont eu une notoriété bien avant moi. Je vais saluer ici Jonas Moulenda, qui était l'un des pionniers dans ce combat. Je vais aussi saluer Tata Huguette, qui jusqu'à aujourd'hui sont restés des gens intacts. Ils n'ont pas changé. Peut-être qu'ils ont des contacts, ça c'est leur problème. Mais je vais reconnaître en eux
des gens qui ont été les pionniers dans ce combat. Nous avons tous combattu ensemble. Et j'ai été vraiment attristé que les Gabonais ne reconnaissent pas la valeur du combat que vous avez mené. Les Gabonais ne vous reconnaissent pas ce fait. Ils se sont accrochés à deux, trois personnes qui sont venues pour des postes et de l'argent. Et ça suffit pour faire ce qu'ils avaient à faire. Alors, comme je voulais vous expliquer, je suis venu dans ce combat pour la libération du Gabon, non pas parce que j'avais besoin d'un poste, non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais simplement parce que les circonstances de la vie m'y ont poussé. J'ai vu mon propre papa, après plusieurs années à servir l'État gabonais, il est décédé sans un seul cercueil de la fonction publique. Sans une assistance de la fonction publique qu'il a servi, qu'il servait depuis l'âge de 16 ans. À partir de ce moment, j'ai décidé de prendre ma plume et de me retourner contre le système. Parce que pour moi, les choses devaient changer. Donc je ne suis pas venu dans ce combat pour demander des postes. Et tant que ce que j'ai demandé, tant que ce que j'ai voulu, je ne l'ai pas obtenu, je continuerai ce que je sais faire. Donc, vous comprenez aisément que je suis arrivé là-dedans. Je n'avais aucun problème, ni avec Ali Bongo d'ailleurs, que je n'ai pas connu, puisque je suis venu en France sous Omar Bongo. Pour ceux qui me connaissent, ça fait plus de deux décennies que je vis en France. Plus précisément, 22 ans que je vis en France. Je ne vis pas en France depuis hier. Je ne suis pas un immigré, climatique, politique ou je ne sais quoi d'autre. Je ne suis pas venu en tant que réfugié, d'accord? Je suis venu en tant qu'étudiant. Depuis que je séjourne en France, je n'ai jamais eu de problème de papier. Donc, ça fait 22 ans pile poil que je vis en France. Je vais vers ma 23e année. Donc, ceux qui me disent qu'il faut rentrer au pays parce que X, Y, ça n'engage que. Tout le monde ne peut pas rentrer au pays, je crois. C'est un choix de vie. J'ai décidé de vivre en France. Personne n'est bien forcé. J'ai décidé. J'ai fini mes études. Après avoir terminé mes études, j'ai décidé de rester pour servir ce pays qui m'a accordé l'opportunité de travailler. Je suis arrivé au Gabon. J'ai essayé de travailler. On m'a proposé certaines choses qui ne m'ont pas plu. Mais j'ai fait demi-tour. Donc, ceci dit, depuis la fin de mes études, je n'ai jamais travaillé au Gabon. Même pas une seconde. Par contre, j'ai voulu servir le Gabon. Mais on m'a jamais donné l'opportunité. Donc, ceci étant, j'ai fait un choix de vie, j'ai décidé de vivre dans ce pays. Et quand j'ai encore vu que l'État a du mal à payer les retraites des gens, je me suis dit, bon, il est temps que j'aille quand même jusqu'à la retraite, et encore pour longtemps, et après, on verra. Si Dieu me prête chance, on va réfléchir sur ce qui va se passer après. Je veux aborder le premier volet de mon live, qui est le cas de Laurence Ndong, celle que beaucoup prennent aujourd'hui pour une star. Alors, Laurence Ndong est une star pour vous, elle n'est pas une star pour moi. C'est quelqu'un qui avait de l'admiration pour moi. Mais je n'ai jamais, jamais été très admiratif de Laurence Ndong, d'ailleurs je ne la connaissais pas. Pour la petite histoire, nous sommes en 2016 au meeting de Boulakia à République, à l'hôtel Plaza République à Paris. Je ne connaissais pas Laurence Ndong. Je suis venu assister au meeting avec Jonas. À l'époque, on s'entendait super bien. Et je vois quelqu'un qui m'appelle, Adjatis, je me demande, mais c'est qui? Et quand je me retourne, je vois la personne, mais je ne la connais pas. Maintenant, on a l'habitude de te suivre dans les réseaux sociaux et tout, et puis voilà, j'ai besoin de toi, parce que je vais vendre mon livre, parce que je vais faire ceci, parce que... Je me dis, c'est une compatriote qui me demande de l'aide, et je vais quand même essayer de lui apporter. Alors, je lui donne mon numéro.
Elle m'appelle, on se voit à Châtelet, je lui offre un verre, elle vous le dira d'ailleurs. Et à l'occasion, d'ailleurs, elle me dira qu'elle est docteur en sciences du langage et je lui demande où est-ce que tu travailles. Elle me dit j'enseigne dans un collège. Moi, je travaille dans une université. Un docteur en sciences du langage qui enseigne dans un collège. Bon, si c'est pas du gâchis, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, on prend un verre, elle m'explique que je veux vendre mon livre à travers la France, j'ai besoin de toi. Parce qu'elle avait besoin d'une notoriété. Elle cherchait à avoir sa notoriété. Donc, et comme elle ne pouvait pas atteindre Jonas, elle est passée par moi pour que je puisse appeler Jonas. Il y a un problème de volume, c'est ça? Attendez, je vais régler. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc, elle est passée par moi pour que je puisse. Le volume, il est bon? Donc, elle est passée par moi pour que je puisse appeler Jonas pour l'aider, soi-disant, entre griffes, à vendre son livre. Bon, nous sommes allés, j'ai réussi à convaincre Jonas. Nous sommes arrivés à Lille, où elle devait soi-disant vendre son livre, exposer son livre. Bon, déjà, j'étais très imprudent. Je vais accompagner quelqu'un qui va soi-disant vendre son livre. Je ne connais pas le contenu, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne sais même pas de quoi il parle. Peut-être on m'insulte là-dedans, je ne sais pas. Donc, je prends quand même ce risque de convaincre Jonas à l'époque. Ah, le son. C'est bon? Il est bon, le son? Voilà. Donc, je prends quand même le temps de convaincre Jonas pour l'aider, pour aller aider la compatriote. Jonas accepte. Mais il accepte parce que c'est moi. Nous prenons la voiture. On s'est dit, bon, elle va nous prendre les billets des trains. C'est elle qui nous invite pour aller à Lille. Et nous, on se lève très tôt le matin, nous prend un porte-maillot à bord d'une voiture, on va à Lille parce qu'elle veut vendre son livre. Mais entre-temps, pour vendre son livre, elle a besoin de Jonas et de d'Adjatis. Vous comprenez? Donc ceux qui viennent dire nous sommes des jaloux, nous sommes des jaloux, il faut bien écouter ce qui va se passer. Il faut bien écouter ce qui va se dire. Alors, elle va vendre son livre. On a fait, je crois, 4 heures de route ou 3 heures de route, je ne sais plus. Jonas à bord, il y avait d'autres personnes, etc. On est arrivé, on a commencé à tiquer, Jonas et moi. On s'est dit, ah, Jonas m'a posé la question, dans quoi tu m'embarques? Je lui dis, là, pour une fois, je crois que je me suis trompé. On n'a pas affaire à la personne que je pensais, on a affaire à quelqu'un qui a d'autres idées derrière la tête. Donc, elle sait que je maîtrise les réseaux sociaux et elle sait que toi, tu écris dans l'École du Nord, donc elle a besoin sûrement d'être vu. C'est ce pourquoi elle nous utilise. Alors on a fait ce qu'elle avait à faire et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, nous sommes partis, nous sommes arrivés à Paris un peu tard. C'était l'été, on est arrivé très tard. Et Jonas m'a appelé, il m'a dit, tu es un frère, mais ne m'embarque plus jamais dans ce genre d'aventure. Je lui ai présenté toutes mes excuses et je lui ai dit, j'ai compris la super chérie, mais après. Et depuis ce jour, elle vous dira, je n'ai plus jamais dit bonjour à Laurence Don. Parce que j'ai compris que derrière cette femme se cachait une véritable opportuniste. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Vous demanderez à Laurence Don, elle va vous raconter cette histoire. Vous demanderez à Jonas, Jonas va vous raconter cette histoire. Et dans la soirée, j'ai reçu un coup de fil de la présidence, mes renseignements, l'un de mes renseignements à la présidence, qui me dit, mais on vous a vu à Lille. Vous êtes allé faire quelque chose à Lille, oui, mais la personne avec qui vous vous baladez, vous savez qu'elle est d'origine camerounaise. J'ai dit, non, je ne savais pas. Et là, je commence à mener une enquête au sein du PDG, à Paris. Je mène une enquête au sein du PDG pour connaître qui est Laurence Ndon. Vous savez, en matière d'enquête, vous savez que je suis très bien informé. Donc, j'ai eu gain de cause par rapport à ce que j'ai cherché. Laurence Ndon a attaqué en justice Madame
Anne-Marie de Bonzec, qui a contesté, qui a dit qu'elle était camerounaise. Et demandé comment ça s'est passé. Donc, nous, on n'accuse pas quelqu'un d'être camerounais parce qu'on a envie. Il y a des prémices. Oligui nous a dit qu'il allait mener des enquêtes avant chaque nomination. Il y a la DGR, il y a la PJ, il y a l'OCEDOC. Mettez les éléments pour étudier le cas Laurence Ndon et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi un Gabonais qui naît à Massamba, à Matata, qui naît à Mouila, qui n'a pas date de naissance, peut passer des jours à la DGR et quelqu'un qui a un acte de naissance douteux n'est même pas inquiété. Les agents de renseignement n'avaient qu'à revenir sur Paris. Venir écouter, venez interroger les gens. On va vous dire. Nous, on n'invente pas les choses. Je n'invente pas. Je ne dis pas. Ce n'est pas question de haine. C'est question que quand l'OCTRI dit qu'il veut nommer des Gabonais, il faut qu'il respecte sa parole. Si vous avez un doute, il y a les agents des forces de l'ordre qui sont là. Menez une enquête. Si on ment, tant mieux. On va présenter nos excuses. Mais si on ne ment pas, vous allez en revanche nous présenter des excuses. Il y a eu des précédents. Venez à Paris, demandez à Perrano qui a été fédéral du PDG en France. Demandez-lui le cas de Laurence Ndon. Ce n'est pas un cas d'aujourd'hui. Demandez à Boukoubi qui était SG du PDG, qui connaît le dossier. Il connaît bien le dossier Laurence Ndon. Demandez-le lui. Pourquoi elle a été rayée de liste du PDG? Pourquoi elle a été rayée de liste du PDG? Je n'invente rien. Je ne crée rien. Je n'invente rien. Venez à Paris. Si les forces de l'ordre au Gabon ont du mal, n'ont pas assez d'informations, venez à Paris. Le PDG, les membres du PDG y vivent toujours. Ils vont vous donner des informations concernant Laurence Ndon. Et comment vous pouvez voir une personne qui a trois identités? Déjà, on ne dit pas Laurence Ndon. On dit Laurence épouse Ndon. Parce que Laurence Ndon, ça prête à confusion. C'est comme si Ndon était son nom de famille. Ça prête à confusion. Donc, on va dire Laurence épouse Ndon. Au gouvernement, elle est nommée, c'est même quand elle est nommée ministre que je découvre qu'elle s'appelle Laurence Mezogé. Personne à Paris n'avait jamais entendu parler de ce nom. Et là, récemment, elle va ouvrir un compte à BGFI. Elle se nomme à nouveau, elle s'appelle à nouveau Laurence Bango. Mais il y a un problème. Allez regarder, le compte BGFI, il est au Gabon. Il n'est pas en France, il est au Gabon. Allez le regarder. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour venir en France pour ouvrir un compte. Je suis professeur de banque. C'est quelque chose que je connais très bien. Quand on ouvre un compte bancaire, on fournit un certain nombre d'éléments. Donc, on fournit un certain nombre d'éléments. Et ces éléments permettent aux conseillers d'apprécier, de valider l'ouverture du compte ou pas. Donc, nous, vous ne pouvez pas venir nous dire le Gabon est libéré, on va nommer au gouvernement, on ne va plus nommer des étrangers et venir prendre des gens qui traînent des casseroles depuis Paris. Oligui peut suspendre son ministre le temps de l'enquête. Il peut suspendre son ministre le temps de l'enquête, il y a problème. Pourquoi c'est le seul membre du gouvernement dont la filiation est douteuse? On en a vu plusieurs au Gabon. Souvenez-vous, quand j'écrivais ici que Brice Lacruche-Alianga s'appelait Brice Farjon, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Quand j'ai expliqué son histoire au Gabon, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit?
à la fin, le procès, quand il a été arrêté, les gens ont fait semblant de comprendre, de croire. Ils ont fait semblant de croire. Alors, le cas Laurence Don, je l'ai su depuis longtemps. Je vous en prie, ce n'est pas une affaire de jalousie. Je ne discute rien avec Laurence. D'accord ? Elle est ministre, tant mieux pour elle, c'est bien pour sa famille. Je m'en bats les steaks. Donc, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le Gabon. Je me bats pour le Gabon. À côté de Laurence Don, vous avez Jean-Gaspard Toutoumaï, qui est d'origine camerounaise, de père et de mère. Il l'a dit. Il a été nommé directeur de la dette. Est-ce que quelqu'un a tiré sur lui? Non. Parce que, on a compris, c'est notre compatriote. Il est gabonais d'adoption. Il a été honnête. Il l'a dit lui-même. Je n'invente pas. Il l'a dit lui-même au cours d'une interview qu'il est d'origine gabonaise et d'origine camerounaise, de père et de mère. Personne n'a tiré sur lui quand il a été nommé directeur de la dette. C'est notre compatriote. On l'accepte. Au moins, il nous a donné ses origines. Pourquoi est-ce que Laurence Don veut mentir sur ses origines? Je vous ai expliqué tout à l'heure. Mon père est décédé en 2009. Vous pensez que pour aller faire sa tombe, j'aurais besoin d'amener des caméras, d'amener des gens, d'amener des influenceurs, d'amener tout ça là pour aller faire sa tombe, pour aller nettoyer sa tombe? Vous pensez? Vous pensez que j'ai besoin d'amener des gens, des caméras pour aller faire sa tombe? Ça va se passer dans la stricte intimité familiale. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Tu n'as rien à démontrer si tu n'as rien à... Si tu ne te reproches de rien, tu ne te reproches de rien. J'ai entendu, moi-même j'ai écouté. Adjati, c'est béninois, c'est togolais, c'est camerounais, c'est congolais, c'est etc. Mais je n'ai rien à prouver. Je ne discute rien avec personne. Je ne discute rien à personne. Je ne discute rien à personne. Je n'ai pas à me justifier. Vous allez du côté de ma mère à Okondja, mes grands-parents y vivent. Vous allez du côté de mon père à Kieni, mes grands-parents y vivent. Et j'ai même certains parents qui sont là. Ils me voient, ils me regardent. Je n'ai pas besoin de me justifier. Admettons, prenons un exemple, raisonnons par l'absurde, que Laurence Don soit de l'Estuaire. On va lui accorder le bénéfice du doute. Mais c'est quoi le délire d'Oligui de nommer deux ministres de la même contrée? Il y a déjà Camélia Toutoum, cette voleuse aussi. Et ensuite, il y a Laurence Don. Et c'est comme ça que vous pensez qu'on va développer votre pays? Omar Bongo avait mis en place quelque chose d'extraordinaire qui est la géopolitique. La géopolitique permettait aux gens de ne pas se plaindre. On prend par-ci, par-là, ça fait la pluralité du Gabon. Un ministre ou deux par province, pas par village. Mais par province. Je vois des gens qui viennent nous dire vous êtes jaloux. Jaloux par rapport à quoi? Vous avez vu mon salaire? Vous connaissez ma fonction? Jaloux par rapport à quoi? Non, non. Et je me suis dit, cette dame a voulu m'utiliser. Et il faut savoir ce qui s'est passé. Et c'est parce que vous devez savoir ce qui s'est passé que vous devez savoir. Parce que nous sortons de plusieurs années avec la Légion étrangère. Et la Légion étrangère est comme un ver de terre. Vous voyez, quand vous le découpez au milieu, il se rallonge. Et la Légion étrangère peut encore se reconstituer dans notre pays. Et c'est le piège à éviter. C'est le piège à éviter. Alors, il n'y a pas que ça. On va arriver au deuxième cas parce que j'entends même qu'au ministère de la Communication, certains sont forcés de faire la prière avant le travail, avant de commencer le travail. Est-ce pour ça que tu es allé au ministère de la Communication? Pour être nommé ministre de la Communication, il a fallu que des gens aillent faire des pieds de grue chez Don Simon et chez le papa d'Oligui
pour qu'on puisse enlever le poste, une partie des prérogatives de Gojo et une partie des prérogatives de Manfumbi, du jeune Manfumbi, pour donner à Laurence Ndong. Tout ça parce que Maïs Mouissi avait été nommé. Mais demandez d'abord aux gens, quand vous parlez des jaloux, demandez d'abord ce qu'elle faisait en France. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier en France? Moi, je crois qu'elle était pasteur. Je pense, hein. Je crois qu'elle était pasteur. Et un pasteur qui se dit, même là encore, il y a un problème, parce que je suis en train de travailler sur le doctorat de Laurence Ndong que je cherche jusqu'à présent. Mais bon, ce n'est pas le thème. On en parlera une autre fois. Tantôt, elle l'a obtenu au Gabon. Tantôt, elle l'a obtenu en France. Tantôt, on est encore en train de chercher. Impossible n'est pas camerounais. J'ai vu, elle est partie avec son caniche, Maïs Mouissi, que j'ai rencontré plusieurs, à plusieurs reprises. Et un jeune homme qui me vouait un respect sans faille, qui était très admiratif, il vous le dira. On s'est croisé quelques deux ou trois fois. Je lui ai même posé la question, où est-ce que tu travailles? Mais non, mais j'ai vu au Canada. Non, mais j'ai vu... Mais j'ai dit, mais attendez, mais ces gens, ils sont sérieux là? Ils sont sérieux? Donc, ici, elle va... Là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que j'attends de voir. On va chercher, parce que Laurence Ndong pense qu'elle s'amuse, mais nous, on ne s'amuse pas, parce qu'elle a un passeport. Son identité en France, c'est Laurence Bango. C'est sûr qu'elle aura un passeport diplomatique, Laurence Megemezogé, parce que c'est le nom avec lequel elle a été nommée. Elle a été nommée au gouvernement. Donc, on va chercher son passeport avec Megemezogé. À partir de là, il y a déjà un problème. Déjà, sur ses actes de naissance, c'est la première fois de ma vie que je vois la mairie de Libreville qui légalise un acte de naissance du Cameroun, donc un document étranger. Je n'avais jamais vu ça dans le droit administratif. C'est la première fois. Mais c'est le Gabon, tout est possible. Elle se dit gabonaise. Elle n'a brandi aucun acte de naissance gabonais. Mais... elle produit, j'ai publié un acte de naissance gabonais, camerounais, légalisé à la mairie de Libreville, ce qui est quasi impossible. Mais pourquoi je parle de ce cas? Parce que ce cas, si Sylvia Bongo aurait réussi à prendre la fuite, elle s'appelle dans son identité Sylvie Aimée Marie Valentin. Donc, si on lançait un éventuel mandat d'arrêt et qu'elle était recherchée, on va lancer le mandat d'arrêt Sylvia Bongo, à la personne de Sylvia Bongo. Alors que la personne s'appelle Sylvie Aimée Marie. Ces gens qui ont la double nationalité, utilisez vos vrais noms si vous n'avez rien à cacher. Si Laurence Ndong est née, elle est née au Gabon, donc elle est née au Cameroun, d'un père gabonais, il y a un acte de transcription. Qui a vu l'acte de transcription de Laurence Ndong? Qui l'a vu? J'ai ma fille qui est née en France. Au Gabon, j'ai dû aller au tribunal pour transcrire, pour avoir l'ordre de transcrire son acte de naissance gabonais. Le tribunal m'a donné l'accord. Je suis allé à la mairie du premier arrondissement. Ça, c'est un enfant de 2005 qui est né en France. Alors, imaginez une grande femme comme ça. Si tu es né au Cameroun et que, par conséquent, tu es devenue gabonaise, que tu es né au Cameroun de père gabonais, le processus normal est que tu vas soit à l'ambassade du Gabon au Cameroun pour faire une transcription, ou alors tu vas au tribunal à Libreville pour faire une transcription, et ensuite
Tu vas maintenant à la mairie du premier arrondissement pour te faire établir un acte de naissance gabonais. C'est ces documents-là que nous attendons de Laurence Ndong. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Et à partir de là, si elle nous fournit tous ces documents, on va dire, ok, d'accord, bravo, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Non, mais je vois des Gabonais, je me demande, on vient de vivre quelque chose d'assez difficile pendant 14 ans, et vous répétez les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de certains? Vous recommencez les mêmes erreurs. C'est les mêmes erreurs qui ont amené, ironie du sort, la même Laurence Ndong était celle qui critiquait la filiation d'Ali Bongo. Aujourd'hui, elle se retrouve l'autre côté du miroir. C'était la même qui allait sur les plateaux de télé pour parler de la filiation d'Ali Bongo. Et c'est pour ça, cette affaire, on ne va pas la laisser. Je ne vais pas la laisser. C'est elle qui est partie dire sur les plateaux de télévision. Parce que comment elle allait sur les plateaux de télévision? Eh bien, c'est son mentor, Makonda Nsangui. Parce qu'il faut savoir une chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque nous avons créé les mouvements de la résistance à Paris, au sortir, nous avons voté, si ma mémoire est bonne, on a voté, c'était la fin du mois d'août 2016. Quand on a fini de voter, parce que comprenez bien ce qui se passe, quand on a fini de voter à l'ambassade du Gabon à Paris, en 2016, on a fini de voter. On s'est dit, on attend les résultats. Jusqu'à 4 heures du matin, on n'avait pas les résultats. Ngoyo Moussavou nous a donné les résultats à l'époque. Ngoyo Moussavou, ambassadeur, il nous a donné les résultats à 4 heures du matin. Ensuite, avec un petit groupe, et ils vont se reconnaître, José Ménébert, Grégory Tankès, Sten Fangiloveni, il y avait Messire Nandon, il y avait encore qui, Basten Moubamba, tous les noms vont me revenir. Et beaucoup d'autres, ils vont m'excuser si je n'ai pas cité leur nom. Nous avons décidé de créer ce mouvement, d'attendre les résultats de Libreville. Manque de peau, Ali Bongo va tirer sur la population. Il fera le carnage du charbonnage. Et là, le mouvement va changer d'ampleur. Moi, perso, je vais me mettre devant. Je vais demander à tous les groupes politiques qui sont en France de s'écarter, de ne pas donner une coloration politique au mouvement. Parce que ça se veut être un mouvement gabono-gabonais. Sans un parti politique, sans une association, pour éviter que la tête de liste ne soit achetée par Ali Bongo. Nous avions fait, j'ai dormi au Trocadéro pendant des jours. Nous avions fait, j'ai dormi, personne ne le sait, j'ai dormi au Trocadéro en tant que l'un des leaders. Nous avons dormi, j'ai dormi pendant des jours, j'allais chez moi juste m'échanger, j'ai mangé là, nous avons réussi à mettre en place. Il y a une espèce de solidarité qui s'est organisée. Nous avons réussi à mettre en place un certain dispositif. Les gens avaient... On nous apportait de l'aide. Chacun apportait ce qu'il pouvait. De l'eau, des sandwichs, etc. Et je n'avais jamais vu autant de Gabonais devant l'ambassade. C'était la première fois en plus de... Après plusieurs années de vie en France. C'est là où les gens venaient chercher les informations. Ils venaient chercher les informations auprès de nous. Les informations pour la famille, etc., sachant qu'Internet était coupé au Gabon. Donc, ils n'avaient aucune source d'information. On avait quelques canaux qui nous permettaient d'avoir des nouvelles, des proches, etc. Et on passait par ces canaux. Vous demanderez aux gens qui étaient au Trocadéro. Le 3 septembre 2016, nous avions organisé notre première marche. Et là, je rends aussi hommage à un grand frère, Jean-Jacques Ehi, qui est allé en préfecture
pour prendre la toute première autorisation pour que nous puissions exprimer la colère qui est en nous. Nous avons fait la marche du Trocadéro, de l'ambassade jusqu'au Trocadéro. Et ensuite, nous avons continué le piquet de grève jusqu'à c'était devenu quelque chose de un mouvement qui avait pris de l'ampleur où tout le monde voulait venir poser avec nous au Trocadéro. Mais j'évitais les gens. J'évitais les gens. Parce que je connaissais les Gabonais. Je connais les Gabonais. Quand un Gabonais approche quelque chose, c'est parce qu'il veut un poste. Tous les réfugiés politiques qui sont arrivés ici, tous ont cherché à me rencontrer. J'ai rencontré certains, j'ai refusé de rencontrer d'autres. Même les hommes politiques qui quittaient le Gabon cherchaient à me rencontrer. J'ai refusé de rencontrer les gens. J'ai eu toutes sortes de propositions que j'ai déclinées. Argent, poste, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Votre Laurence Ndong n'était pas dans... Quand je lis les gens qui viennent dire Laurence Ndong était dans la résistance, Laurence Ndong n'était pas dans la résistance. Jean-Jacques Eyi a pris son téléphone, il a appelé pour lui demander de venir nous retrouver. Elle a dit qu'elle vendait son livre, elle était ici à Limoges ou je ne sais où. Ce n'est qu'après, quand le mouvement a commencé à prendre en bon opportuniste, qu'elle a commencé à se mêler à nous. Elle ne s'est même pas mêlée à nous. Elle a commencé à faire quelques apparitions furtives. Et ensuite, je ne sais pas qui lui a donné quitus d'aller sur les médias, etc. Bon, comme le mouvement appartenait à tous les Gabonais, on a laissé faire. On a laissé faire. Et c'est ce qui lui a donné, qui lui a peut-être donné l'occasion de penser qu'elle était devenue le leader du mouvement, qu'elle est avec nous. Elle n'a jamais été avec nous. Laurence Ndong n'a jamais passé une nuit au Trocadéro avec nous. Même pas manger ce que nous mangions au Trocadéro. Nous avons fait, et ça personne ne le sait, maintenant que Ali est parti, je peux vous le dire, nous avons organisé pour les malades, pour ceux qui avaient subi les violences au QG des Jean-Ping, nous avons fait une collecte de médicaments. On a eu un compatriote franco-gabonais qui devait aller prendre la relève à Libreville, pour relayer ses collègues par avion militaire. C'est à lui que nous avons remis les 10 sacs de médicaments. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé personnellement le professeur le professeur Ondo, qui est décédé, personnellement. Je l'ai appelé personnellement. Je lui ai dit qu'il allait recevoir des médicaments. Et c'était pour soigner les malades du QG des Jean-Ping. Personnellement, je l'ai appelé. Je suis allé déposer les médicaments à ce militaire, accompagné de Grégory Tankès et d'autres Gabonais. Nous sommes allés le déposer en banlieue parisienne, dans le secret le plus absolu. Ces médicaments sont arrivés au Gabon, ils les ont reçus, ils ont traité les malades du QG, les blessés du QG avec ces médicaments. Il faut connaître l'histoire quand vous voulez parler de choses que vous ne maîtrisez pas. On n'en a jamais fait la pub. On n'a jamais fait la pub. Nous avons accueilli plusieurs compatriotes qui sont venus, qui ont fui le Gabon, qui sont venus ici s'exiler. On n'a jamais fait la pub. Les Charles Mbao qui aujourd'hui sont des ministres, je ne sais pas, mais ce type, quand je l'ai vu, j'ai senti tout de suite que ça ne passait pas. Parce que j'ai senti en ce type un opportuniste. Je lui ai jamais dit bonjour. Les gens me disaient chez Charles Mbao, je me disais, mais je m'en fous, je m'en bats les steaks. Donc, quand vous voulez raconter, savoir des choses ou vous voulez raconter des choses, il faut être pragmatique sur ce que vous faites, sur ce que vous dites. Il faut parler des choses qui sont vraies. Ce n'est pas la peine de raconter des conneries. Vous pensez que j'ai besoin de faire la pub pour ce que j'ai fait pour mon pays?
Je vous dis bien, tous les hommes politiques, pédégistes, les réfugiés, politiques, climatiques, tout ça, quand ils sont arrivés en France, tous ont voulu me rencontrer. Et je vous dis encore, j'ai rencontré certains, j'ai refusé d'autres, de rencontrer d'autres. Qui sont aujourd'hui les grands hommes de votre pays? Parce que moi, je ne discute pas avec tout le monde. Et c'est ce qui fait ma particularité. Je ne suis pas facilement atteignable. Je ne me laisse pas atteindre par n'importe qui. Et je ne me laisse pas approcher, pardon, par n'importe qui. Donc, vous comprenez un peu? Ils sont venus avec tout, l'argent. Il y a les témoins. L'argent, mes miroirs, les postes, etc. Je leur ai dit qu'il y a d'autres Gabonais qui en ont besoin, allez-y. La clé Camoridine qui s'en va, c'était la même chose. Je leur ai dit, je n'ai pas envie de quitter la France. Et pas plus encore, puisque là, j'ai ma fille qui est à l'université, que je surveille, que je suis. Je ne peux pas la laisser et partir au Gabon, non. Je suis là, je vais la surveiller, elle va faire des études supérieures et je vais l'encadrer jusqu'à ce qu'elle termine. Il n'est pas à l'ordre du jour que je rentre, que j'aille quelque part. Vous savez votre CTRI, c'est facile d'aller au Rwanda et de dire j'ai ouvert le pays, vous pouvez rentrer. Mais tout le monde peut rentrer. Eux, ils ont deux cibles dans leur tête, Jonas Moulenda et moi. Ils ont deux cibles dans leur tête, c'est Jonas Moulenda et moi. Ils nous attendent. Tout ça, tous ceux qui rentrent là, ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est Jonas Moulenda et moi. Mais ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Si Jonas Moulenda veut aller, il est majeur et vacciné, ça c'est son problème. Mais moi, je n'irai pas. Donc, vous voyez que tout le monde n'est pas assoiffé de postes. Qu'est-ce qu'Oligui a changé? Alors, je vais un peu bifurquer sur ma, comme je l'ai dit, sur ma rencontre avec Oligui. Oligui Nguema, il est nouveau pour vous, il n'est pas nouveau pour moi. Je connais Oligui. J'arrive à OCS de Ngoni. J'ai fait le concours d'entrée en 6e. Je suis premier de ma classe toute l'année. J'ai fait le CEP. À l'époque, je le gagne avec une moyenne assez bien. J'arrive au concours d'entrée en 6e. Miraculeusement, j'échoue. Là, je vais voir mes parents. Je leur dis, il est hors de question que je refasse le CM2. Ils me disent, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, vous me trouvez une place en 6e. Mes moyennes sont là. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je me suis battu. J'ai donné toute ma force. J'étais premier de la classe. Tous les mois, parce que au primaire c'était un bulletin, les bulletins rouges de l'époque, tous les mois, ceux qui ont appris avec moi mais vous le diront. Et j'arrive au CEP, je suis parmi les 5 premiers, et au concours d'entrée en 6e, je suis pris par un malaise que je comprends pas, mais je compose quand même, et là je rate. Et j'ai dit à mes parents, je veux pas faire reprendre le CM2. Ils me disent, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te trouver une place dans un collège. Les parents sont allés à... Ils ont trouvé une place au CES Ngoni. Donc Ngoni, c'est à... Entre... Vous avez, pour ceux qui connaissent le Haut-Togo, quand vous quittez Franceville, vous avez Bongoville qui descend au carrefour Kélé. Vous quittez Franceville, vous arrivez au carrefour Kélé. Au carrefour Kélé, il y a la route qui va à Bongoville et l'autre route va à Ngoni. Donc, je vais à Ngoni, au CES Ngoni. Quand j'arrive au CES Ngoni, je croise Oligui. Bon, il y a bien d'autres personnes. Hein. C'est une petite ville à l'époque. Je ne sais pas si c'est devenu quelque chose de grand, mais c'est une petite ville à l'époque. Donc, je croise Brice Clotaire Oligui, qui lui est en 3e. Justin Doudangoy est en 6e A. Moi, non, si je suis en 6e A, Justin Doudangoy est en 6e B. Et Oligui et les autres sont en 3e. On va faire un mouvement de contestation parce que ça n'allait pas avec l'administration. On était très mécontents. Donc, on va faire un tract qu'on va afficher le lendemain. C'était le crime de lèse-majesté parce qu'il ne fallait pas le faire. C'était la ville de Mabongo. Là, on va nous mettre les gendarmes. On aura droit à une descente de gendarmerie dans l'établissement.
Beaucoup feront des gardes à vue. C'est une histoire que les gens qui étaient en Goni connaissent. Beaucoup feront des gardes à vue. Pas beaucoup, disons 2 ou 3 personnes. Et même Olivier, on avait coupé ses cheveux. Enfin bref, puisqu'il avait un parent, je crois, qui était gendarme. Et donc, du coup, certaines personnes feront des gardes à vue. Et nous, on avait réussi à échapper. Bon. Et dans l'établissement, encore une fois, bien que n'ayant pas eu mon concours d'entrée en sixième, j'avais eu la plus grande moyenne du collège. J'étais premier de la classe avec 14 de moyenne. 14,32, je pense, au premier trimestre et 14,50 et quelques au deuxième trimestre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous pouvez demander, hein. Vous pouvez vous renseigner. Et là, je décide de quitter Ngoni. Donc j'ai peur de vie au Ligue. On se perd de vue, je sais pas. Et en 2000, je sais pas, 2011, 2012, j'arrive à Libreville. Non, en 2009, je perds mon père, je descends au Gabon pour l'enterrer, à Franceville, à Mwanda. Donc je vais à Franceville pour passer à Mwanda, et là je décide de passer la nuit à Franceville, donc avant de continuer sur Mwanda, et j'ai Kwaski, Brice Clotaire-Oligui. À l'époque, il inaugure son mall qui est sur la route de l'Econi Palace, pour ceux qui connaissent Franceville. Il m'invite. On discute. Tranquillement, on se remémore nos choses parce que je vais vous dire quelque chose. Je l'appelle Poligui, il le sait. Il a un petit nom, il s'appelle Snap. Comme il aimait le rap quand il était jeune, je l'ai toujours appelé Snap. Je l'ai appelé Oligui. Je l'appelle toujours Snap. Même jusqu'aujourd'hui, si je le vois, je vais l'appeler Snap. Et il va reconnaître son petit nom. Alors, j'ai dit Snap, comment ça va? Ça va, on se retrouve, on prend un verre, etc. On discute. Et il m'invite pour la soirée, je lui dis non, mais je dois repartir sur Mwanda et puis redescendre sur Libreville et prendre mon avion, repartir sur la France. Ok. On garde le contact. En 2012-2013, je descends au Gabon. Non, 2013, 2000. Non, non, pas 2013. 2012-2013, je descends au Gabon. Et là, je le croise. Il m'invite à la maison manger. Je pense que ce jour-là, il avait fait le sanglier parce qu'il aime bien la nourriture du village. Il avait fait le sanglier, il m'a invité à manger. On a mangé. Après, il m'a raccompagné à mon hôtel et je l'ai quitté. On s'est quitté là. Mais on avait le bureau l'un de l'autre et on s'appelait, on se voyait, etc., etc. Et après, c'est en 2018 quand il est rappelé, parce qu'il faut savoir une chose, pour ceux qui ne connaissent pas Ligue, que je vais vous rafraîchir la mémoire, peut-être vous ne connaissez pas, mais l'histoire est faite pour être vécue et pour être racontée. Donc, en 2009, quand Ali arrive au pouvoir, il y a une histoire comme quoi Omar Bongo avait laissé l'argent dans ses tiroirs. Et que Oligui et Mboupol avaient pris cet argent. Vrai ou faux, je n'étais pas témoin, je ne connais pas. Ce qui va valoir à Oligui, la colère d'Ali, qui va l'ostraciser, donc l'écarter complètement. Et à la suite de ça, il va l'envoyer en diplomatie au Sénégal pendant plusieurs années. On s'appelait, on se voyait, on s'écrivait. Voilà, on se voyait pas, on s'appelait, on s'écrivait. Et puis en 2018, quand il est rappelé pour diriger les services de renseignement de l'AGR, donc les services spéciaux, là, ils coupent le contact avec tout le monde. Bon, tant mieux aussi, hein. Moi, je n'avais plus son numéro en ce temps. Donc, c'est des gens, on a des amis en commun. Et donc, du coup, à ce niveau, je le vois, enfin, je coupe les nœuds. Et là, je deviens, parce que moi, je suis quelqu'un, si tu passes dans le camp de mes ennemis, que tu sois mon ami ou pas, je vais te tirer dessus. Sans état d'âme. Surtout le Gabon, on peut rigoler avec tout sauf avec le Gabon. Donc, en ce moment, là, je n'ai pas hésité de l'attaquer. Sachez que Brice Oligui est un grand propriétaire immobilier. Il est grand propriétaire immobilier. Ce n'est un secret pour personne. Il est riche depuis, il a de l'argent depuis sous Omar Bongo.
Donc, je ne comprends pas certaines personnes qui voient Oligui comme quelqu'un de nouveau. Il est comptable de la situation actuelle de notre pays. Ce n'est pas quelqu'un qui descend de Mars, qui sort de je ne sais où. Il est comptable de la situation actuelle de notre pays. Oligui possède des appartements en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je l'ai publié. Je l'ai publié. Je connais qui est Oligui. Alors, quand on vous dit, quand pour parler de cela, on va un peu faire une virgule. Quand il dit qu'il renonce au salaire du président de la République, mais j'ai envie de rigoler. On vient comme ça, on jette un os, allez, contentez-vous-en et puis laissez-nous tranquilles. Mais quand on renonce au salaire du président de la République, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, on commence par nous dire, parce que la finance, c'est mon métier. Je suis responsable administratif et financier. J'ai laissé l'enseignement. Alors, quand vous prenez, vous dites quelque chose, vous voulez dire, vous voulez laisser le salaire du président de la République, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit le président de la République gagne tant. C'est-à-dire, il gagne tant de mille par mois. On commence déjà à éclairer l'opinion sur le salaire du président de la République. Ensuite, nous, peuple, nous savons que le salaire du président de la République gagne tant. Ce salaire sera mis dans un compte du Trésor public numéro tant et il servira à financer le social ou certaines choses ou je ne sais quoi. Mais vous ne venez pas comme ça nous dire le président de la République renonce à son salaire. C'est du cirque. Personne n'est un enfant d'Oligui. Voilà, personne n'est un enfant d'Oligui. Et en plus même, j'avais oublié de vous dire quelque chose. C'est plus Clotaire Oligui qui accuse Ngambia. Et quand on l'appelle témoigner, il avait fait un malaise au tribunal. Il avait accusé Ngambia et d'autres personnes. C'est vous qui le voyez aujourd'hui comme l'extraterrestre, comme je ne sais pas qui, mais ce n'est pas moi. Je vous le répète encore qu'Oligui est comptable de la situation économique et politique de notre pays. D'abord comme aide-de-camp de faux Omar Bongo et comme commandant en chef de la garde républicaine. Arrêtez! Oligui n'est pas un économiste. C'est un militaire. Et vous voyez qu'il commence déjà à parler le langage politique. C'est-à-dire, il se projette. Il n'a pas pris le pouvoir pour le céder. Ce n'est pas un gâteau qu'il va donner à quelqu'un. Ce n'est pas un gâteau qu'il va donner à quelqu'un. Là, il est en train de se projeter. Alors, donc, il faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il est comptable, Oligui est comptable de la situation politique et économique de notre pays. Ce n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un, si les services spéciaux pouvaient nous fournir si les services de renseignement pouvaient nous fournir des informations sur lui, vous verrez. Mais je n'ai pas besoin de ça, je peux vous les fournir. Il faut qu'on arrête avec ça. En 2009, quand j'ai commencé à attaquer Ali Bongo, c'était comme ça. J'ai eu des problèmes avec tout le monde. J'ai eu des menaces de mort. J'ai même eu une tentative d'agression à Paris. J'ai été agressé à Paris où j'ai failli perdre la vie. Donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles on blague. Je l'ai fait pour l'amour du pays. Je n'ai aucun problème avec la France. Je n'ai aucun problème avec le Gabon. Mais je me suis demandé, ayant fait mes études en France, comment je peux être utile à mon pays sans aller là-bas. Je me suis mis dans l'activisme. Je n'accuse personne. Je suis responsable de moi-même. Personne ne m'a poussé.
Personne ne m'a envoyé. Je suis responsable de mes actes. Donc, à un moment donné, il va falloir comprendre. Olivier a dit, Olivier, je vous ai dit, je peux le dire aujourd'hui, Ali est parti. Pour la petite histoire, il faisait partie de mes informateurs, mais je ne vais pas vous dire à quel niveau. Je n'attends rien de lui, je ne lui demande rien. Même quand il a pris le pouvoir, mes amis en commun m'ont dit, il faut l'appeler, il faut le remercier, il faut le féliciter. J'ai dit, je ne ferai rien du tout. Je ne vais pas l'appeler. Je ne vais pas l'appeler, je ne veux pas parler avec lui, je ne veux même pas discuter avec lui. Il fait ce qu'il veut, il est président, c'est sa chance. Je vis ma vie, je n'ai pas besoin d'être à ce niveau. Si Dieu me prête chance, un jour, ça arriverait, c'est le bon Dieu qui ouvre toutes les portes. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un. Et ça, mon père me l'a appris. Vis ta vie, sois ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'envier qui que ce soit. Et c'est ce que je fais. Donc, je vis ma vie tranquillement. Je n'ai pas besoin. À partir du moment où je subviens à mes propres besoins, ça me suffit. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Ça me suffit. Ça me suffit. Donc, en gros, je voulais vous dire ici, que ne suivez pas. Tout ce qui se passe, je l'ai surnommé le CTRI PDG. Pourquoi le CTRI PDG? Parce que vous avez remarqué, j'ai rarement vu un coup d'État dans le monde où quand on fait le coup d'État, la personne qui arrive au pouvoir, la première chose, c'est de faire un nettoyage pour s'assurer une certaine sécurité. Or, Olivier arrive au pouvoir, il maintient les PDGistes. C'est des gens avec qui il a travaillé. Ils ont tous... Enfin, je vais vous dire quelque chose... Ils ont tous pillé le pays ensemble. Oui. Ils se connaissent. Ils sont dans les mêmes loges. Ils ont pillé le trésor public ensemble. On a juste aujourd'hui, le CTRI, c'est le PDG sans Ali Bongo. Je l'écris, je le dis tout le temps. Donc, essayez de comprendre, essayez de voir ce qui se passe. Essayez de comprendre ce qui se passe, essayez de voir. Parce que ce que je vous dis, c'est une vérité. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas de... Il y aura de que nous allions aller vers... Même s'ils organisaient des élections, nous allons aller vers une transition. Je pense que j'étais l'un des premiers activistes à avoir soulevé le mot « transition ». Certains venaient même me demander, tu es sûr qu'on va vers la transition? J'ai dit, oui, on aura une transition. Parce que les informations que j'avais faisaient état d'un Ali qui n'allait pas se représenter. Macron avait fait le déplacement exprès de Libreville pour le lui signifier. À ce moment, le pouvoir était par terre. Ali étant malade, le pouvoir était par terre. N'importe qui pouvait le ramasser. N'importe qui le ramassait. Dans le cercle présidentiel, n'importe qui le ramassait. Il a seulement fallu que ce soit d'autres qui le ramassent, qui le prennent. Et quand ils ont pris, il fallait chercher quelqu'un qui avait cette double casquette, à la fois au Togo et Wellington. Et cette personne était autre qu'Oligui. Oligui est un peu... Il n'a renversé personne. C'est les autres qui ont fait le travail. Il n'a renversé personne. Donc, les autres ont fait le travail. Et à partir de là, il fallait contenter à la fois les téqués, il fallait contenter à la fois les fans. Et la personne qui est mieux placée, qui a, qui a le postérieur en deux chaises, c'est Olivier. Quand je vois les Gabonais, il nous a sauvés. Il vous a sauvé de quoi? Par rapport à quoi? Il était où depuis? Il y avait déjà une guerre entre les Bongo, Bongo Dimba, associés au Bongo Sassou, et les Bongo Valentin. Asselin vous a montré qu'il y avait cette guerre. Comment vous pouvez concevoir que l'oncle du président vienne se présenter à une élection? C'est qu'il y a une guerre. C'est qu'il y a un problème.
Et Sylvie avait effacé le nom d'Asseli. Ils avaient deux options. Il y avait l'option militaire et l'option politique. Et rien ne dit que l'option politique était là pour embrouiller l'option militaire. J'entends les gens, il nous a sauvés. Il vous a sauvé de quoi? C'est le même système. Il vous a sauvé de quoi? Non, mais il faut se dire, il vous a sauvé de quoi? Il faut me dire. Si Olivier était un homme, il aurait dû prendre ce pouvoir depuis longtemps. Il n'aurait même pas attendu. Et quand vous voyez Nouridine, lorsqu'il dit « Est-ce que tu réalises ?» Il comprend son erreur. C'est quelqu'un qui l'a fait venir, à qui il a attribué un poste qui le renverse. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien, il est totalement perdu. S'il se faisait entourer de bonnes personnes, il aurait compris que le verre était dans le fruit depuis longtemps. Quand Nouridine vous dit « Est-ce que tu réalises ?» Ce que lui-même, il ne se rend pas compte. Il ne réalise pas que ce Oligui qu'il a ramené de Dakar pour Libreville, qui le renverse avec sa mère. Et là où j'ai autre chose que je ne comprends pas, Sylvia n'a pas géré ce pays seule. Elle a géré ce pays avec Bourantchour, avec Osuka, avec Bilébité, avec Wani Ambourouin, avec... Tout le monde a vu. Mais pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête sur les morts, les disparus de 2016? Si Oligui, que vous voyez aujourd'hui comme un homme nouveau, est venu pour vous sauver, pourquoi ne diligente-t-il pas une enquête pour trouver les responsables des morts de 2007? De 2016, pardon. Il faut nous dire. Il faut nous expliquer. Il est nouveau. Quand tu arrives, il y a des dossiers sur la table. Les crimes rituels, on veut savoir. On a perdu des parents. On veut savoir où ils sont-ils. On veut savoir où est le jeune, le petit Rinaldi. Il est où? Mais vous n'aurez jamais ça. Parce qu'ils appartiennent au même cercle ésotérique. On va y arriver. Vous n'aurez jamais ça. Et c'est ce que vous appelez nouveau. C'est ce que vous appelez homme qui a changé. C'est ça que vous appelez cela. Mais je vous dis, et j'ai créé une expression, le réveil sera brutal. Il va à Kigali. Il va s'en prendre à la diaspora qui ne t'a rien fait. La diaspora ne t'empêche à rien de construire le pays. Il voit son échec arriver et il commence à chercher les boucs émissaires. En quoi Jonas Moulenda, qui l'a attaqué, est responsable du fait qu'il ne puisse pas travailler? Jonas Moulenda ne vit pas au Gabon. Un militaire, ça bosse et ça ferme sa gueule. Un militaire, quand il commence à vous faire des promesses, c'est qu'il a commencé à lever son treillis depuis longtemps. Comment un président de la République va commettre une erreur d'enfant? Même un bébé ne peut pas penser que toute la diaspora, c'est des étudiants. Oligui n'avait qu'à faire un tour à Paris, il va voir les postes que les gens occupent ici. Il y a des médecins, il y a des informaticiens, il y a des chefs d'entreprise, il y a de tout dans la diaspora. Mais c'est des gens qui sont capables de vous refaire un pays avec l'expertise. Il travaille quand même dans l'un des cinq pays les plus puissants au monde. Vous ne pouvez pas les prendre comme si c'était des gens qui travaillaient à Libreville. La façon de travailler en France n'est pas la même qu'au Gabon. On ne travaille pas dans une administration en France comme on travaille au Gabon. Un franc, c'est un franc. Même le café. Je suis arrivé dans mon administration, j'ai pris deux cafés en une journée, j'ai eu des reproches.
Au Gabon, je peux même prendre 10 pèses. Qui va me reprocher cela? Parce que c'est de l'argent public. Voilà. Donc, vous, au lieu de te servir, il y a un président, je crois, il y a bien un président, je crois, en Guinée, ou je ne sais pas où, qui, quand il a pris le pouvoir, la première chose qu'il s'est dite, je vais aller chercher ma diaspora, même avec les dents, même à pied, j'irai les chercher. Oui, il y a des compétents. On a même des Gabonais qui occupent des postes, des grands postes à la Banque de France. Et dans des organismes, même dans la construction navale, même dans le nucléaire, on a des Gabonais. Non, il ne faut pas penser, il ne faut pas venir injurier les gens parce que tu penses que tu as pris le pouvoir et que tu as la science infuse. Il faut te renseigner avant d'éviter des inepties. Pour un président de la République. Mais est-ce que ce type écoute ses conseillers? Ou alors ses conseillers ne sont pas compétents? C'est ce que je vais dire, c'est souvent, quand j'écoute ses sorties. Il y a deux choses. Soit ses conseillers ne sont pas compétents, soit il n'écoute pas ses conseillers. De deux choses l'une. Comment venir débiter des inepties? Des gens qui travaillent dans la première puissance du monde, dans l'une des. La quatrième, la France qui est la quatrième puissance du monde. Et tu penses que ce sont des vauriens? Non, mais ils ont fait. Vous parlez de transition, de restauration des institutions. Mais vous restaurez les institutions à quel moment? Vous allez faire nommer le Sénat, l'OCS. Quelle était l'utilité des SCS à ce moment? Si ce n'est de placer les amis francs-maçons. Quelle était l'utilité? Et de placer quelques activistes, comment tu appelles, quelques activistes véreux, hein, assoiffés d'argent. Et tout ça, parce que je ne comprends pas l'utilité, même du CS, je ne comprends pas. On parle de restauration des institutions, ça veut dire on fait un nettoyage approfondi, on nettoie les textes et après on peut maintenant nommer. Même Ali Bongo, qui était dans son amateurisme en 2009, quand il prend le pouvoir. Il vient en France. Son premier voyage, il le réserve à la France. Il vient en France. Il est logé au Georges V, là, sur les Champs-Élysées. Ali Bongo décide de recevoir la diaspora. Il avait compris le potentiel de cette diaspora. C'est de là qu'est parti le salaire des conseillers, des conseillers du ministre. Des directeurs des cabinets des ministres, parce que nous sommes arrivés, on a dit Ali Bongo. Voilà. Le papier, il est là. Voilà. Nous travaillons en France. Voilà nos salaires. Voilà nos fiches d'impôts. Vous voulez nous amener au Gabon pour nous donner combien? C'est comme ça qu'Ali Bongo, quand il a fini avec la diaspora ici, il est descendu au Gabon, il a pris un décret pour augmenter les salaires de conseillers des ministres à 1 500, à 1 500 000, pardon, et ceux de directeurs de cabinet, je crois, à 1 600 000, 1 700 000, je ne sais plus trop le salaire. C'est parce que ses enfants-là lui avaient expliqué ça ici à Paris. Je me souviens encore d'Ali Bongo ce jour. Il mangeait même les œufs bouillis. Alors, donc, il faut comprendre, je ne comprends pas comment un président de la République qui se dit... Qui dit qu'il va unifier un peuple va s'en prendre à sa diaspora. Mais c'est un plaisir de savoir. Si tu ne sais pas c'est quoi une diaspora, je vais t'expliquer. C'est un plaisir de savoir que tes compatriotes occupent de postes clés dans des administrations étrangères. Que tu ailles au Japon, en Corée, aux États-Unis, il y a des Gabonais qui ont des postes stratégiques. Et leur expertise. Peuvent développer leur expertise venue au Gabon, ils peuvent développer des choses dans le pays. Ils peuvent apporter ce qu'ils ont appris. Arrêtez d'être dans votre milieu de maçons.
On a vu Ali Bongo, il était chef franc-maçon. Voilà comment il s'en va, personne. Il s'en va comme un chien. Personne. Make noise, il a lancé des cris d'alerte. Personne n'est venu. Ça devrait vous servir de leçon. Mais vous n'écoutez, vous ne comprenez rien, vous n'écoutez rien, vous continuez les mêmes choses. Un président de la République qui vient, qui s'en prend à sa diaspora, on a vu ça où? Même si certains t'insultent, mais le président, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, retourne à la caserne. À la caserne, aucun militaire ne va t'insulter, c'est la grande muette. Moi qui te parle, moi qui parle aujourd'hui, combien de fois je me fais insulter? Les insultes, même là dans le live, les gens m'insultent. Mais ça ne me fait rien du tout. En quoi ça me colle? Vous demandez, il faut venir construire. Construire le pays sur quelle base? Il faut d'abord avoir un plan, il faut avoir des ambitions, et il faut nous expliquer que nous, on veut aller là-bas, on a besoin des gens pour nous accompagner là-bas. Nous tous, on connaît le Gabon. Le but, c'est quoi? Faire demander aux gens de descendre pour que nous tous, on vienne souffrir à Libreville. On se regarde. Oh, il est en France. Regarde comment il est devenu. On le connaît, on l'a vu. On l'a vu. Il est en France. Toutes les années qu'il est en France, regarde. Regarde comment il marche. Regarde comment il est devenu. Regarde. Il travaille en France. Regarde ce qu'il est venu faire. C'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous comprenions que nous sommes Gabonais. Le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas à un seul individu. Oligui, c'est le bon petit de Pascaline. C'est pas quelqu'un qui va m'expliquer. Ngari lui-même, il vous a dit que c'est son petit-fils. Même le jour où le soi-disant coup d'État, j'étais avec des amis, je leur ai dit, si vous fouillez, vous allez voir la main d'Ngari. Et quand il est venu dire c'est son petit-fils, j'ai dit, vous voyez, je vous avais dit. Oyima, qui depuis longtemps, l'inamovible président directeur général ou je ne sais quoi de BGFIL. Quand est-ce qu'il va partir en retraite? Il a largement dépassé l'âge de la retraite. Mais comme c'est l'oncle de l'autre, on le garde là. Batolo, qui donnait à Sylvia Bongo 500, qui versait à Sylvia Bongo, à la fondation Sylvia Bongo, 500 millions de francs CFA par mois, par an, est toujours maintenu à son poste. Qu'est-ce qui a changé? On vous explique que les gens au Gabon ont été nommés. Combien de fois j'ai écrit pour vous alerter qu'ils utilisent le faux cachet, un faux cachet d'Ali Bongo qui avait été la fausse signature électronique d'Ali Bongo qui avait été faite au Maroc. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Qui m'a cru? Tout le monde le sait. Votre justice sait que les imposteurs ont utilisé la fausse signature d'Ali Bongo. Ironie du sort, les mêmes personnes qui ont été nommées avec cette fausse signature sont toujours en fonction. C'est ce que vous appelez le changement? Vous nous demandez de venir travailler dans ça? C'est dans ce Capharnaüm que vous nous demandez de venir travailler? La sorcellerie vous apporte quoi? L'imbombo qui a pillé l'Arcept, il est là, il n'est pas inquiété. Parce que c'est le mari de Bourancho, et Bourancho, c'est la bonne grande de Oligui. Osseni, qu'est-ce qui empêche à la justice de mettre Osseni en prison? Osseni a détourné toutes les aides offertes à notre pays par les pays du Golfe. Je n'ai pas besoin d'être au Gabon, je le sais. Depuis plus de 20 ans qu'il est président du Conseil gabonais du Conseil islamique, il a détourné les aides offertes par les pays du Golfe aux musulmans du Gabon. Quelle preuve vous cherchez? Quelle preuve vous cherchez?
Non, mais je crois que certains, ils sont encore dans leur nuage et d'ici quelques matins, ils vont s'élever, ils vont commencer. On s'attendait. On s'attendait à ce qu'il y ait des changements. Regardez, dans l'armée gabonaise, ce n'est pas un secret. Les pauvres militaires, les pauvres gendarmes, policiers qui vont monter la garde, il y a des sociétés qui payent. Ils ont des primes pour ça. Ces primes sont détournées par des officiers supérieurs. C'est dans ça que vous me demandez de venir travailler. Même le passage en galon, c'est monnayé. Les affectations dans les corps sont monnayées. C'est dans ça que vous nous appelez de venir travailler. C'est ce que vous appelez construire le pays. Vous avez remarqué qu'Oligui touche partout, il ne touche pas les corps, les forces de sécurité. Il est impuissant de les toucher. Pourtant, c'est le milieu le plus pourri au Gabon. Est-ce que j'ai besoin d'autres Gabon pour savoir que les primes des militaires sont détournées et le passage en galon, c'est monnayé? Si ce n'est pas le droit de cuissage, les hommes sont obligés de payer. Même les simples affectations. Et toi, ce que tu trouves à faire, lui, ce qu'il trouve à faire, c'est demander à la diaspora de rentrer. Il a libéré le pays. Libéré le pays qu'on était. Mais non. À un moment donné, il va falloir que vous vous asseyez. Il va falloir, parce que là, je vous avertis, on en parlera peut-être, nous sommes partis pour plusieurs années de dictature. Nous sommes partis pour plusieurs années de dictature. Et ça, faites-moi confiance. Quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai déjà entendu. Vous avez vu, il a commencé à tronquer son treillis contre les habits civils. Ses amis, c'est qui? Sassou Nguesso, Obiang Nguema, qui sont loin d'être des exemples. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui dire? Si ce n'est de rester là, tu es arrivé, tu es là, sans compter ses amis qui sont derrière. Parce que là, il a commencé à nommer ses amis, ses gens, etc., qui ont pris goût à la vie facile, l'argent, les voitures, etc. Je vous prends un exemple. À peine 2 mois. Je vous demande, je vous ai posé la question. Il est arrivé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il a fait? Vous me dites, il faut le temps. Pourtant, les directeurs sont en train de se racheter des voitures. Les directeurs qu'il a nommés sont en train de s'acheter des voitures à des millions de francs CFA. D'où sort l'argent? Oui, 2 mois de pouvoir, 2 mois de pouvoir. Mais va voir, tu vis au Gabon. Les nouveaux directeurs sont en train de, en 2 mois de pouvoir, sont en train de s'acheter des voitures. Et il y a ses amis, les mêmes qui ont induit Ali Bongo en erreur, sont en train de l'induire à nouveau Oligui en erreur. Tout en lui disant, si tu pars de là, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Et le cercle vertueux va commencer à se perpétuer. Il va devenir prisonnier. S'il n'est pas déjà devenu prisonnier, déjà il est prisonnier de ceux qui ont fait le coup d'État, la révolution de Palais, déjà il est prisonnier de ceux qui ont fait la révolution de Palais avec lui. Et là, cela, il faut encore ajouter maintenant ses amis qu'il a nommés. Donc ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. Même s'il dit je m'en vais, je laisse le pouvoir, les autres lui disent non, tu vas rester là. Tu vas nous laisser avec qui? Oui. Il y a un qui écrit, fais ton coup d'État. Malheureusement, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je n'ai pas besoin de faire les coups d'État. Je vis bien sans être président de la République. Tu sais, je suis né dans une famille pauvre et ma grand-mère m'a toujours dit la pauvreté n'est pas une maladie. Donc, la pauvreté n'étant pas une maladie, j'en suis fier. Une famille où pour avoir le repas, c'était difficile, surtout dans mes années de lycée. Donc, j'ai vécu la dure. Et j'ai appris à vivre avec rien. Si aujourd'hui j'ai quelque chose, je remercie simplement le Seigneur. Donc j'ai pas besoin de faire un coup d'État. J'ai pas besoin de faire un coup d'État.
Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il faut rester éveillé. Parce que ce qui va arriver, le plus dur va arriver. Vous savez qu'un pays qui a déjà fait un coup d'État, c'est comme une malédiction, ça va aller de coup d'État en coup d'État. Vous me demandez de rentrer, mais il faut un contre-pouvoir face à ces militaires. Si ça se passe mal, vous allez faire comment? Venez nous demander pardon? Vous allez faire quoi? Venez nous demander pardon? Il faut bien un contre-pouvoir. Ceux qui ont accepté d'aller à la soupe, c'est leur problème. Ça n'engage qu'eux. Et sur ce point aussi, j'aimerais attirer l'attention des Gabonais. Vous êtes un peu trop facile. Quelqu'un arrive, fait le bruit sur les réseaux sociaux, en 2, 3 jours, il est suivi, il devient populaire, vous êtes trompé comme ça tout le temps. Tout le temps, on vous trompe comme ça, et vous ne prenez pas conscience. Un Gabonais, demain, quelqu'un va venir, même ceux qui sont venus, comment on appelle ça, dans la diaspora, pour venir prendre l'asile, aujourd'hui, on voit comment ils se comportent. On les a accueillis, pourtant ils sont là. Voyez leur comportement. Dès que quelqu'un arrive, il fait le bruit, après il a acheté. Quelqu'un d'autre arrive, il fait le bruit, après il a acheté. Quelqu'un d'autre, vous ne comprenez rien, après vous mélangez tout le monde. On est fatigué, on ne sait plus à qui faire confiance, mais vous êtes comme des demoiselles que l'on trompe tous les jours. Là, on nous annonce un recrutement de 40 000. 40 000 personnes. Enfin, un recrutement pour le recrutement à la fonction publique. Ils ont reçu 40 000 dossiers. Ce n'est pas normal, c'est trop. La fonction publique gabonaise peut même embaucher tous les Gabonais. Il y a l'argent pour ça. Voilà donc Simon qui arrive. Il nomme tous ses parents, toutes les administrations gabonaises, il a mis tous ses parents. J'ai dit, hein, dans Sima, quand il a fait la tournée, là, il s'était seulement arrêté dans le Lointain ou bien il a fait tout le Gabon. Il n'a pas vu les Gabonais là, et aujourd'hui, c'est seulement ses parents qu'il va nommer. Il faut d'abord qu'on nous donne, on nous a dit les enquêtes de moralité. Moligui, avant de nommer Nsima Premier ministre, tu aurais d'abord dû prendre ses états de service. Regardez, si possible, avoir au moins, diligenter les enquêtes pour savoir qui c'est. Sauf si vous vous connaissez dans vos cercles ésotériques. Ça, on s'en fout. Ça n'engage que vous. Nous, on s'en fout de ça. Ce que le Gabonais veut, c'est quoi? C'est manger, dormir, se soigner, se loger. Regardez, j'ai vu le 31, on nous a publié les nouveaux prix des produits pétroliers. Rien n'a diminué. Rien. Pourtant, nous tous, nous savons que les bongos ont 50, ont 18% dans le pétrole gabonais. Mais comme c'est Pascaline qui dirige le pays, on ne peut pas lever les 18%. On ne peut pas vous enlever les 18%. Mais par contre, certains tintins, dans leur tête, ils voient des changements. Mes enfants, qu'est-ce qui a changé? On s'assoit, on fait des sacrifices. Le point d'indice de la fonction publique n'a pas changé depuis des années, depuis plus de 10 ans, combien d'années, ça n'a pas changé. Les salaires n'ont pas bougé d'un iota. Mais les produits de première nécessité augmentent tous les jours. Alors, comment faire face à l'inflation? Comment on fait? Comment on fait? Voilà la question plutôt que de s'en prendre à la diaspora, voilà la question, les vraies questions que vous devez vous poser. Donc, voilà les vraies questions qu'il faut se poser.
Au-dessus de nous, derrière nous, il y a des Gabonais. Ces Gabonais méritent de vivre, méritent de manger, méritent de boire. Donc ici, il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut vraiment qu'on arrête et il faut que... Je ne pense pas que ces gens-là vont changer quelque chose en vous. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont changer quelque chose de votre quotidien. Moi, je ne suis pas dedans. Ceux qui me disent, il faut rentrer au pays, il faut que vous arrêtez avec cette musique. Le Gabon n'est pas le seul pays au monde où on travaille, d'accord? Je suis bien là où je suis. Je n'ai pas besoin de rentrer au pays, d'accord? Ceux qui m'attendent là-bas, qui m'attendent, ça c'est leur problème. Donc voilà, moi j'aime le Gabon, j'ai mis une croix. Donc peut-être quand je vais voir que les choses ont vraiment changé dans un avenir lointain, je pourrais peut-être me mettre à me poser des questions. D'accord? Donc voilà, mais pour l'instant, je ne suis pas là à me dire je m'en vais au Gabon, etc. Maintenant, ceux qui partent au Gabon, c'est là aussi, il faut qu'on en parle. Parce que je me demande. Moi, je me pose la question. Il paraît qu'ils ont des activités en France. Mais comment faire pour partir au Gabon en plein milieu d'année? La maison, il faut le préavis. Le travail, il faut le préavis. Les dettes, certains des dettes, il faut les payer, etc. pour partir en paix. Il paraît même que certains ont des doctorats. Mais vous pensez que tu as ton doctorat, mais tu es mieux payé ailleurs qu'au Gabon. Déjà, pour intégrer la fonction publique, c'est la croix et la bannière. Et j'attire l'attention, comme je vous ai dit au début de ce live, ces gens, ils font rentrer tout le monde, ils n'attendent que deux personnes, Thibaut Adjatis et Jonas Moulenda. Mais ils ne m'auront pas. Ils ne m'auront pas. Comme je vous ai dit, retour au pays n'est pas d'actualité. Même pas dans 3 ans, même pas dans 4 ans. Donc voilà, les Gabonais n'ont même pas l'eau au robinet. On vient, on fait quelques petites promesses, on fait quelques petites visites, on amène la télévision. Mais quand tu bosses, tu n'as pas besoin de ça. Tu bosses, les gens vont parler. On va faire les routes, jusque-là, les routes qu'on a vues, les quelques petites routes, c'est ceux qui ont pris l'argent, et même ceux qui ont pris encore l'argent, on a même sélectionné. On nous a dit, on va faire la task force. Où en sont-ils? Et si ce sont des francs-maçons comme vous, vous allez les condamner comment? Vous allez les punir comment? Vous êtes déjà vous-même bloqué par ce que vous-même vous êtes allé faire. J'aimerais voir, la task force va donner ses résultats. Je veux voir comment vous allez prendre vos frères maçons et les mettre en prison. Dans la maçonnerie, la première règle, c'est la solidarité, n'est-ce pas? Donc, je veux voir comment ils vont prendre leurs frères et les mettre en prison. Mais n'embêtez pas les gens. Vous êtes incapables de réaliser certaines choses. Ne faites pas comme si vous allez le faire. Dites simplement, vous allez voir, bientôt, ils vont vous sortir la chanson « On n'a plus assez d'argent ». Ogligui dit qu'il renonce à son salaire. Comme je vous ai dit, ce salaire, on ne sait pas c'est combien. Moi, je ne pense pas, même au fond de mes souvenirs, je ne pense pas que le commandant en chef de la garde républicaine gagne plus que le président de la République. Je ne pense pas. Mais on renonce à un salaire. Entre-temps, le budget de la présidence a augmenté. Mais de qui se moque-t-on? Si Ogligui renonce au salaire du président de la République, chose que je doute, parce que tant que l'administration est écrite, elle n'est pas verbale. Donc, tant que je n'ai pas le papier écrit, tant que je ne vois pas l'écrit, je ne crois pas. Ali Bongo, souvenez-vous, nous avait promis l'université d'Oyo, le palais d'Oyo pour en faire l'université. Je ne sais pas combien de Gabonais sont allés apprendre là-bas. C'était le même cas. On prend quelques personnes. Brice Fajon, Brice Lacouche-Alanga l'avait dit. Au Gabon, ça fonctionne comme ça. Il suffit de donner quelques postes et un peu d'argent, les gens se taisent. Mais je ne suis pas de ceux-là, malheureusement. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne mange pas de ce pain et je ne suis pas de ceux-là. Donc moi, je ne me contente pas de postes. Ce n'est ni Ogligui ni Ali qui m'a envoyé en France. Je suis venu,
Je me suis battu au milieu des autres. J'ai trouvé ma voie. Je suis en train de trouver ma voie. Et je n'ai pas besoin d'aller voir qui que ce soit. C'est ça l'avantage en France. Tu n'as pas besoin d'aller faire le courbette auprès de qui que ce soit. Tu déposes ton dossier, le lendemain t'appelle. Tu fais tes preuves, tu es bon, tu restes. D'ailleurs, il y a des périodes d'essai. Le CDD, je crois, c'est un mois. Le CDI, c'est 3 mois. Tu fais tes preuves, tu restes dans la boîte. Donc, il faut que les gens de Kango, madame qui va à Kango avec les journalistes pour la tombe de son père, il faut qu'on arrête cette comédie. Moi, pour aller faire la tombe de mon père, je n'ai pas besoin des caméras. C'est mon père. Je n'ai pas besoin de ça. On va prendre quelques activistes qui souffrent de faim pour venir dire oui, effectivement, elle est de Kango, etc. Et ça suffit. Mais vous pensez que moi, j'ai besoin de ça? Vous pensez que vous me trompez? Vous vous trompez, vous ne me trompez pas. Vous faites mal, vous ne trompez pas Thibault. On va prendre quelques journalistes, quelques activistes pour venir dire oui, voilà, on est vraiment des Kangos, on est vraiment. Mais un enfant, c'est un père, c'est une mère, c'est les grands-parents, c'est un village. Oui? Moi, si j'arrive au Gabon, j'irai jusqu'à dans mon village, voir mes grands-parents, et ils y vivent encore. Ils vont vous dire, il est né là. Je n'ai pas les actes de naissance camerounais. Légalisé au Gabon. Je n'ai pas un nom en France et un autre au Gabon. Ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre. Dana, j'ai tenu personnellement à te rendre hommage. Comme je l'ai dit, peut-être tu n'étais pas là. Donc, je disais que ce combat pour la libération du Gabon, Jonas Moulinda et toi, même bien qu'on ne s'entend pas, mais il faut reconnaître, rendre à César ce qu'il y a à César, vous avez été les pionniers de ce combat. Et je suis étonné que ce soit d'autres personnes qui sont récompensées. Mais en même temps, on fait ce combat, ce n'est pas parce qu'on s'attend à quoi que ce soit. Non. Moi, perso, hein, je ne m'attends pas à quoi que ce soit. Donc, j'ai dit que nous sommes Gabonais, c'est notre pays, c'est notre devoir de défendre notre pays. Donc, nous, je vous ai déjà dit qu'il y a eu un procès. On n'invente pas que Laurence Ndong soit camerounaise. Il y a eu un procès en France entre Laurence Ndong et Anne-Marie de Bonsec. Il y a eu un procès. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un raconte. Il y a eu un procès. Elle a attaqué Anne-Marie de Brozec sur ses origines. Maintenant, nous, on attend qu'elle nous donne la décision du juge. Le Gabonais, lui, il voit quelqu'un, boum, tout de suite, tu t'appelles Thibault Adjatis, tu arrives, on te prend, ça y est, tu deviens Dieu. Vous n'allez même pas fouiller dans ce qui se passe, dans ce qui s'est fait. Le PDG vous a tellement traumatisé qu'on vous empêche toute réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Allez d'abord. Laurence, dont avant de venir au Gabon, a vécu en France. Quand elle a quitté le Gabon, je ne sais pas pour c'est ça d'engage qu'elle, elle est venue en France. En France, il y a un passif. Il faut venir le chercher. Elle est de Kango. Montrez-nous le certificat de nationalité. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Je vous ai dit que ma fille est née en France en 2005. Elle est partie au Gabon. J'ai dû aller au tribunal, saisir le tribunal pour qu'on lui délivre un certificat de nationalité. Je suis allé le transcrire à la mairie du premier arrondissement. Oui, je l'ai fait. Du coup, elle a la double nationalité. Elle est franco-gabonaise. Alors, donc maintenant, il faut qu'elle nous explique, parce qu'elle a aussi un côté camerounais. Il ne faut pas l'ausculter. Pourquoi cacher que tu es camerounaise?
Pourquoi cacher que tu es camerounaise? Mange ton argent, fais ce que tu veux. Et j'ai même encore appris quelque chose. Ce sont les gens qui étaient avec Niamankala. Niamankala et Yann Ghislain Goulou sont venus ici les corrompre. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de ça. On m'accusait que moi, Adiatis, je touchais l'argent. Alors que Niamankala et Yann Goulou corrompaient la bande à Laurence Ndom. Personne n'a parlé de ça. Et il n'y a pas que eux. Je n'ai jamais touché l'argent de Yann Goulou ou de Nouridine. Mais il y a les gens dans la diaspora qui ont touché cet argent. En 2016, quand on fait le mouvement, on crée le mouvement de la diaspora, René Nemezo, il vient à Paris, il regroupe la communauté FAN. Il va jusqu'à donner les 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros aux gens pour se taire, pour ne pas attaquer Ali Bongo, pour ne plus faire les marches du Trocadéro. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Est-ce que vous m'avez entendu parler? René Nemezo, en 2016, est venu à Paris. Il a regroupé la communauté FAN. Je le précise. Il a donné les 2000, 3000, 4000 euros. Je ne raconte pas des conneries. Pour que les gens arrêtent de marcher au Trocadéro. Pendant que nous nous battions dans la diaspora, Charles Mba, Laurence Ndom et toute leur panoplie de FAN allaient se regrouper là-bas, faisaient les réunions tous les dimanches au porte-maillot, entre FAN, là-bas, à porte-maillot. Est-ce à dire que nous, là, nous ne sommes pas des Gabonais? Est-ce à dire que nous ne sommes pas des Gabonais? Et quand tu vas parler de son, tu dis tu es tribaliste, tu es jaloux, tu es tout ça. Ceux qui touchaient l'argent dans la diaspora sont bien là en face de vous. Ils sont au Gabon avec vous. Il faut aller parler. Moi, je suis teke au Bamba. Pendant tout le règne d'Ali Bongo, j'ai tensé mes propres parents. Les gens de ma province. Les nominations des Donsima, combien de gens du Wolentem sont venus dire que je ne suis pas d'accord avec ça? Ou bien vous faites le bangam. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Nous sommes Gabonais, le Gabon est notre pays, c'est notre pays à nous tous. À un moment, il faut qu'on arrête. On ne peut pas développer un pays comme ça. Nous sommes en train de pleurer nos morts. Des maisons quittent Libreville avec des valises d'argent du contribuable pour venir corrompre les gens de sa communauté ici en France. Il ne faut pas parler. Parce que si tu parles, on va dire que tu es tribaliste. Mais vous ne me faites pas peur. Moi, je dis ce que je connais. Personne ne va m'empêcher de parler. Nous, on se bat. Pendant qu'on se bat pour le pays. Charles Mba, tous les autres, ils se regroupent là-bas, porte-maillot, entre FAN. Makone Sangiki est là. Il est déjà venu en France rencontrer quelle personne qui n'est pas de sa communauté. Quand il vient, il rencontre ces gens, Mwanzama, il parle entre eux. C'est ça la défense du Gabon. Maïs Mouissi, quand vous voulez qu'on parle, Maïs Mouissi, quand Farjon était aux affaires, le Béninois de Farjon. J'ai même encore oublié son nom. Mille versants, Maïs Mouissi, un salaire. Il lui donnait de l'argent. Je l'ai publié. Il y a une autre grande société au Gabon qui versait de l'argent, et que je n'ai pas envie de citer, qui versait à Maïs Mouissi de l'argent avec Makona Sangui. Makona Sangui travaille avec le régime Bongo depuis longtemps. Je le sais. Alors, à un moment donné, il faut arrêter d'enfumer les gens. Parce qu'à un moment, il faut arrêter d'enfumer les gens. Il faut dire la vérité aux gens. Les gens qui ont touché l'argent au Trocadéro ici, des centaines de milliers d'euros. Moi, je suis là, je me bats. Ping a fait un salaire à Laurence. Donc, moi, je me suis battu pour le Gabon. Je n'avais même pas un franc. Puis il m'a versé de l'argent, non? C'est quoi cette
personne-là. Demandez à Laurence. Je vous ai dit que tout ce, là où elle passe, tout se passe mal. Elle est venue ici. Elle avait un groupe de filles avec qui elle marchait. Demandez aujourd'hui s'ils sont ensemble. Quelqu'un, tu es déjà dans la résistance. Tu commences déjà à avoir un cabinet. C'était quoi le délire? Et comme Maïs Moïsi, c'était son. Même les analyses bidons qu'il faisait, j'apprends même que ce sont des gens qui lui donnaient ces analyses-là. Et avec ça, vous en faites un ministre de l'économie, le ministère de l'économie, un ministère régalien comme ça. On donne ça à des apprentis sorciers. Moligui, mais tu es vraiment léger. Ou tu es complexé par la France, ou tu es léger, je ne comprends pas. Je vois même que c'est comment il s'appelle, c'est Arnaud Nganji, qui est maintenant le référent de la diaspora. Mais enfin, mais c'est quoi ce désordre-là? Et c'est comme ça que vous voulez construire le pays? On n'a pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Je tiens à vous préciser. Mais moi, je m'insurge contre le comportement opportuniste de certaines personnes. Parce que je ne suis pas comme ça, ce n'est pas dans mon éducation. Il faut aller là, parce qu'on veut manger. Ce n'est pas dans mon éducation. Attention, il faut bien faire les choses. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Mais simplement que je m'insurge contre le comportement de certaines personnes. Regardez à peine Ali quitte le pouvoir. Regardez comment les gens sont déjà. À un moment donné, ça me fait, j'ai même froid au dos. Je me dis, mais attention, l'homme gabonais, il est dangereux. Il faut vraiment faire très attention. Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas bâtir un pays sur... Le vrai problème du Gabon, c'est d'abord tout défricoter. Essayer de mettre en place et procéder à un changement de mentalité. Tout le monde attend les nominations. Et Oligui ne fait que ça. Nommer. On ne regarde même pas si dans tel poste, il y a encore des postes budgétaires, si dans l'argent, s'il y a encore de l'argent pour nommer, ou s'il y a ceci. Non, on nomme pour nommer. L'administration dans laquelle je travaille, quand on me demande quelque chose, je vais regarder. Je vais regarder au niveau du budget si ça me permet d'acheter. Si j'ai de l'argent nécessaire pour acheter le matériel. Si je n'ai pas, je dis je n'ai pas. Ou je demande à ce que. Ou je fais un virement pour payer ce dont j'ai besoin. On devait d'abord savoir la masse salariale. Elle a combien? Parce que Ali nous a laissé une dette abyssale. Elle a combien? La masse salariale. La dette, elle a combien? On fait comment? Et puis voilà. Après, maintenant, on peut procéder aux nominations. Même pas un mois de prise de pouvoir, on a déjà nommé. On nomme les, comme lui-même il dit, les copains coquins. On est déjà dans les voyages. Votre président est déjà dans les voyages, à gauche, à droite, il ne passe plus un week-end à Libreville. Non. D'abord, quand on prend le pouvoir, on s'assoit, on se présente aux populations, et ensuite, on essaye de réparer, reconstruire ce qui peut encore être reconstruit. Une fois on a fini, on peut entreprendre des voyages. Vous avez vu Assimi Goïta faire combien de voyages? Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya, ils ont fait combien de voyages? Vous savez combien coûte un seul voyage présidentiel? Vous savez combien coûte un voyage présidentiel? Vous dites, c'est lui-même qui dit que les caisses de l'État sont au rouge, c'est lui qui multiplie encore les voyages. Après, c'est pour venir s'en prendre à la diaspora. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Dans la diaspora, il n'y a pas que des voyous. Il n'y a pas que des activistes. Et même les activistes, certains ont un travail. Tu viens, je te montre mon administration d'origine. J'ai une administration. Je ne suis pas un chômeur.
Donc, vous prenez vos amis francs-maçons. Pourquoi faire semblant? Continuez à nommer vos amis francs-maçons. Et ensuite, les francs-maçons ajoutez deux ou trois profanes. Mais ne faites pas comme si vous avez fait un gouvernement pour les Gabonais. Je suis ici, je sais que les francs-maçons se réunissent 2 à 3 fois par semaine. Sous Oligui. Mais continuez. Vous n'avez pas besoin de la diaspora. Allez prendre les trucs pour développer le pays dans les temples maçonniques. Allez-y. Vous ne comprenez rien. Vous êtes têtu. Ali Bongo s'en va. Aucun franc-maçon ne le sauve. Vous recommencez à faire les mêmes bêtises. Vous tombez dans les mêmes conneries. Plus de 50 ans de franc-maçonnerie, on est arrivé où? Il faut respecter les gens. Il y a des gens qui font... Je rends hommage à cette diaspora qui se lève le matin pour aller travailler. C'est pas facile de braver le froid, aller travailler. En plus de ça, de vivre certains comportements. Et sur ça, il faut encore qu'un individu vienne nous insulter. Si vous avez fini vos études, il faut rentrer. Parce que tu as payé les études de qui? Allez jusqu'à penser que toute la diaspora, c'est des étudiants. Même un étudiant, j'ai été professeur, je sais de quoi je te parle. Même un étudiant, quand il finit ses études, il a le droit de se... Il a le droit, c'est même important pour lui, de se faire une expérience professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, même dans vos concours, j'ai vu, vous demandez les 40 ans, les 30 ans d'expérience. Mais il se la fait comment? Il finit les études, il rentre au Gabon, et quand vous lui demandez l'expérience, il vous dit quoi? Un étudiant, même en France, même dans peu importe le pays où il est, quand il finit ses études, il a besoin d'une année ou deux pour se faire une petite expérience professionnelle, même s'il doit rentrer au Gabon. C'est cette expérience, c'est pour acquérir les méthodologies, les méthodes de travail et les outils de travail pour bien les assimiler. Et ensuite, il est à l'aise sur son poste. Mais vous, dès que vous prenez le pouvoir... Oh, il faut rentrer. J'ai ouvert le pays, il faut rentrer. Rentrer faire quoi? On vous a dit qu'on mourrait de faim. On t'a dit, toi Brice, on t'a dit qu'on t'attendait. Faut pas énerver les gens. Hein? C'est quoi ça? Il faut rentrer. Comme ça, on va rentrer. On va traîner dans les rues. Pour rentrer, c'est tout un processus. On va habiter où? Certains sont des pères de famille qui sont habitués à leur autonomie. Ils ont femme, enfants, ils ont maison. Ils vont rentrer faire quoi? Rester là, ils vont habiter chez qui? On ne peut plus habiter avec les parents. On est déjà des grands. On a dépassé la quarantaine. On ne va pas habiter avec les parents. Et on va rentrer, on va travailler où? On prend quoi? Les CV, on part de déposer, on nous paye 250 000, on oublie les frères, les enfants avec quoi? Mais vous buvez quoi? Qu'est-ce que vous buvez? Dites-nous. Moi, j'étais dans le domaine de l'enseignement. Je suis bien placé pour vous dire. Et l'enseignement en France, hein, pas au Gabon, l'enseignement en France. Donc, je suis bien placé pour vous dire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Déjà, commencer à améliorer le système éducatif gabonais. Un toilettage s'impose à ce niveau. Dans l'éducation nationale, il faut nettoyer. Dans l'enseignement supérieur, il faut nettoyer. Regardez, prenez le cas de la France. La France a créé des BTS dans tous les domaines d'activité. Dans tous les lycées, il y a des classes de BTS. Je dis bien tous les domaines d'activité, même la boucherie, il y a un BTS boucherie. Il y a même un BTS cuisine. Commence d'abord par nettoyer le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le bombardement de Nagasaki et de Hiroshima,
qu'est-ce qu'ils ont fait les Japonais? Au lieu de chercher à concevoir l'arme nucléaire ou des armements pour se venger face aux Américains, ils ont fait le contraire de tout. Ils ont misé sur l'éducation. Le gouvernement japonais a misé sur l'éducation, qui est le fer de lance de l'économie. Aujourd'hui, le Japon n'a aucune matière première, mais ils sont dans les trois premières puissances mondiales, les trois puissances économiques mondiales. Un seul étudiant, même gabonais, vous l'envoyez au Japon. S'il va postuler, je ne sais pas dans quel pays, il sera très prisé. On va chercher cet étudiant. Mais je ne sais pas, il aura l'embarras du choix. Parce que la formation à la japonaise est très prisée. Et les Japonais sortent très rarement de chez eux. Voilà des exemples qu'il faut copier. On vient nous dire non, il faut rentrer, il faut venir, j'ai ouvert le pays, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tu as fait quoi? Ça ne fait que 2 mois. On ne sait même pas si tu vas même atteindre janvier 2024. Tu commences à nous dire rentre. On va rentrer faire quoi? Nous tous nous sommes obligés d'habiter au Gabon. Vous prenez des gens qui ont été en France. Aujourd'hui, je vois à la présidence des gens qui ont été en France, incapables de trouver un boulot. Incapables. Mais qui aujourd'hui portent des grosses vestes au Gabon. Oui, avant de rentrer au Gabon, fais d'abord tes preuves en France. Avant de rentrer au Gabon, fais tes preuves. C'est ici que ça se passe. Fais tes preuves. Quand tu as fini de faire tes preuves, tu peux partir. Moi, demain, je peux partir. Je peux arriver dans n'importe quelle administration au Gabon. Je leur dis, voilà mon bulletin de paye. Voilà ma fiche d'imposition. J'étais tel, j'étais ça. Je n'étais pas qu'un cancre en France. Voilà ma fiche de paye. Voilà ce que j'ai eu. Voilà ce que j'ai fait. La fonction publique. Vous n'êtes pas obligé de recruter que des fonctionnaires calqués sur la fonction publique française. Vous avez des contractuels qui ont des contrats d'un an. Vous avez des fonctionnaires qui vont sur concours. Oui, et vous avez même des CDI dans la fonction publique. Moderniser la fonction publique gabonaise. Ça vous coûte quoi? Tout le monde est obligé d'être fonctionnaire. À propos, regardez la police, regardez la gendarmerie. Vous arrivez un week-end dans un camp, ils sont chez eux. Vous pensez que le bandit a une heure pour braquer ou il a une heure pour voler? Les médecins, vous arrivez au Gabon, le week-end, ils sont chez eux. Vous pensez que la maladie, elle attend le week-end ou elle attend le médecin ou je ne sais pas? Mais non, c'est des choses qu'on doit revoir. Il faut des roulements. Les médecins doivent faire les 3-8 avec 2 jours de repos. Tout comme les policiers, les gendarmes. Ils ne sont pas là pour dormir. Ils ne sont pas là pour avoir des week-ends. Ils doivent faire les 3-8 et avoir 2 jours de repos dans la semaine. Ça roule. Les voleurs, les criminels, ils n'attendent pas. C'est comme les malades, ils n'attendent pas. Voilà les choses qu'on attend de vous. Ça aussi, vous avez besoin de l'argent pour mettre en place cela? Juste pour les forces de l'ordre et les médecins? Il faut qu'on rentre au Gabon aussi pour venir vous dire ça? Mes enfants. Vous avez des entreprises qui recrutent des jeunes en stage au Gabon. Des stages non rémunérés. Les pauvres, ils sont là, ils font 3, 4, 5 mois. Ils n'ont même pas un salaire. Il faut revoir cela. Ces jeunes doivent, normalement, au bout de 2 mois de stage, l'entreprise doit être forcée à rémunérer l'étudiant, en fonction de son âge, bien sûr. Et il faut mettre en place une grille, parce qu'un étudiant n'est pas un coursier. Quelqu'un me dit qu'il fallait faire le dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, pour faire quoi? Oligui, pour prendre l'argent, il avait besoin du dialogue inclusif?
Voilà. Vous prenez, il y a des étudiants qui sont en stage depuis 1 an, 6 mois, 4 mois, ils n'ont pas de stage. Non. Déjà, il faut faire quelque chose. Les entreprises qui prennent les étudiants en stage doivent avoir un malus. Un malus, oui, c'est-à-dire au niveau des impôts, on doit faire un geste pour eux. Ça va les inciter à prendre les jeunes en entreprise. Maintenant, une fois on fait cela, ils prennent les jeunes en entreprise, il va falloir imposer qu'à partir du 2e mois de stage, l'étudiant doit être rémunéré. En fonction de son âge. Et mettre en place un barème de rémunération pour les étudiants. Tout comme les entreprises qui embauchent les Gabonais en CDD. Au bout de 3 CDD, il faut les convertir en CDI. Obligatoire. Obligatoire. Je vais aller sur nos mamans qui font le ménage, qui font les petits boulots. Oui, il faut les obliger à cotiser à la CNSS. Ils ont le droit d'avoir une retraite. Ils ont le droit d'avoir une retraite, minime soit-elle, mais ils doivent avoir quelque chose à la retraite. C'est des choses qu'on doit mettre en place. On n'a pas besoin de CDI, de CTRI, du PDG, etc. C'est des choses qu'on doit mettre en place. Ça ne coûte rien. La pauvre maman qui va au marché, elle a le droit de se cotiser à la CNSS. Il faut l'obliger pour qu'elle ait une retraite. Lui expliquer le bien fondé de cette mesure. Les Gabonais n'ont pas l'eau depuis des années. Faites des forages. Il y a des sociétés qui produisent de l'eau. Il y en a tellement dans le monde entier. Cherchez la moins coûteuse afin qu'elle vienne faire réaliser des travaux. L'électricité. Mais faites jouer la concurrence pour tirer les prix du kilowattheure vers le bas. Il y a tellement de sociétés d'électricité dans le monde. Sélectionnez 2 ou 3, comme ça, c'est le Gabonais qui sera gagnant en fonction du prix. Les opérateurs téléphoniques, n'en parlons plus. Internet est encore un luxe au Gabon en 2023. Mais enfin. Internet au Gabon est encore un luxe. La connexion est de très mauvaise qualité. Nous avons sur le marché mondial des centaines d'entreprises qui peuvent nous fournir des connexions à moindre coût. Faites-les venir. Au lieu d'aller chercher les copains coquins par-ci, par-là pour avoir 1 marché, 2 marchés, pensez Gabon d'abord. Laurence, donc, que vous avez nommée là, je vais revenir un peu sur elle. N'était-elle pas allée voir les gamins de la présidence? Charles Mba, n'était-il pas allé voir les gamins de la présidence? Mais comment Olivier a encore réussi à le nommer? Comment? Je ne sais pas le travail que les anciens ministres ont fait pour les ramener encore au gouvernement. Opianga Barroso. Si tu veux récompenser Opianga, récompense-le ailleurs. Donne-lui de l'argent, des voitures, mais ne lui donne pas un poste ministériel. C'est quel message que vous envoyez à nos jeunes qui vont à l'école? C'est quel message? Aujourd'hui, l'enfant va te dire, je ne pars pas à l'école parce que Opianga était ministre, il n'a pas fait de grandes études. Hein. Donc voilà. Mais vous allez lui dire quoi? Il a raison. Il a raison, vous allez dire quoi à l'enfant? Si vous avez fait le coup d'état ensemble, enfin, c'est pas un coup d'état, pour moi c'est une révolution des bongos. Donc, si vous avez fait la révolution ensemble, mais il y a d'autres postes où vous pouvez le caser, pas devant le ministère. Les mines, regardez comment les gisements de Comilog, qui étaient destinés aux années futures, sont en train d'être exploités. Il va nous rester quoi? Batolo
est le maître de la loge des Acacias. Il est indéboulonnable. Mais laissez-le. N'embêtez pas les gens. N'embêtez pas les gens. Oui, quelqu'un dit on ne t'oblige pas à rentrer, tu peux rester en France. Mais je n'ai pas dit que quelqu'un m'oblige à rentrer. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'oblige à rentrer. Et je n'ai même pas envie de travailler avec les pédégistes. Je ne veux pas travailler avec les pédégistes. Je ne veux pas. Tu veux que je fasse quoi? Que je vienne dans une administration et voir un voleur comme Fabrice Andjoie être directeur des gens? Toute sa vie, il a fait des études de médecine pour venir faire la finance. Il a volé, fatigué. Il n'est jamais allé en prison. Il a échappé à la prison. Il a échappé à la prison lors de Mamba. Il a échappé à la prison lors de Brice Latruche à l'Erda. Il échappe à la prison à la, lorsqu'on traque Nouridine. Il va même encore échapper à la prison lorsqu'on va traquer Oligui. Mais enfin, Yann Koubdji. Il n'était pas avec ces gens-là? Il va venir conseiller Oligui pour lui dire quoi? Regardez, aujourd'hui dans le monde, nous avons de l'électricité. Un exemple, nous avons de l'électricité photovoltaïque. Des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Nous avons même des éoliennes pour tirer le prix du kilowattheure vers le bas. Vous savez que des gens peuvent mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison, produire de l'électricité et la revendre à la SCG. Pourquoi vous voulez que les Gabonais souffrent? Pourquoi vous voulez que les Gabonais souffrent? Et les gens sont là, ils applaudissent, Oligui, le sauveur, Oligui, président, Oligui. Mais enfin, mais... Un truc de fou, hein. C'est vraiment de la folie, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Quelqu'un qui a été l'aide de Kane Bongo. Ils ont mis le pays dans l'eau. Il a été commandant en chef de la GR. Ils ont mis le pays dans l'eau. Et c'est maintenant, quand il va venir président, qui va relever le pays. Les stats parlent d'elles-mêmes. Les stats parlent d'elles-mêmes. Vous arrivez. Vous allez voir quelqu'un qui vient, qui fait ses voyages, il va à gauche, il va à droite. Mais combien coûte, cherchez à savoir combien coûte un voyage présidentiel. Pour quelqu'un qui dit qu'il ne prend pas le salaire du président de la République. Mais s'il ne prend pas le salaire du président de la République, il y a les frais de mission du chef de l'État. Ça aussi, il ne les prend pas. La corruption a gagné le pays. La corruption a gagné le pays. On prend les mêmes corrompus. J'étais même étonné de voir que le procureur de la République, Rapone, est même maintenu. Et aujourd'hui, non mais il y a vraiment des gens qui sont sans gêne quand même. C'est-à-dire même par respect pour Sylvia Bongo qui l'a mis là. Moi perso, j'aurais dit non, je préfère partir. Même le directeur de la sécurité pénitentiaire que Sylvia a mis là, avec les faux décrets bien sûr. Moi, perso, dans mon orgueil personnel, je serais parti. Personne n'a d'orgueil dans ce pays. Personne. Personne. Quand tu vas vouloir parler, on va t'insulter, on va te dire non, voilà, tu es jaloux, tu es ceci, tu es cela. Mais non, non. Non. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dans ça là que vous m'appelez venir. C'est ça dans ça là que je dois aller travailler. Ma façon de travailler n'est pas celle-là. Et derrière, tu as Oligui. Et derrière Oligui, tu as des marionnettistes qui tirent les ficelles, notamment Gary, Oima et Pascaline. Donc il faut aller travailler. Il faut d'abord travailler et derrière tu as tout ça. Non. Moi, je pense, à mon humble avis,
qu'il va falloir que ce pays change. Ce pays change et vous allez comprendre. Je vous ai dit, moi, je ne cherche pas les postes. Les postes ne m'intéressent pas. Moi, je m'attendais, regardez, les diplomates, les derniers, nommés par Sylvia Bongo avec les faux décrets, sont toujours en fonction. Les chefs de corps nommés avec des faux décrets sont toujours en fonction. Je ne sais pas quoi, il y en a tellement. Mais c'est des faux décrets. Où est la cohérence? Au tribunal, on nous explique qu'ils ont trafiqué la signature d'Ali Bongo. En trafiquant la signature d'Ali Bongo, ils ont nommé. Très bien. Jusque-là, c'est cohérent. Mais pourquoi on ne les dégomme pas? Il y a recel. Ils ont bénéficié d'un faux décret. J'écrivais tous les jours ici les faux conseils des ministres. Personne ne me croyait. Personne ne m'écoutait. Personne. Pourquoi sont-ils en fonction? Olivier, soi-disant, il a fait un coup d'État. Mais pourquoi il les garde en fonction? Tous les jours, depuis qu'il est venu, il n'y a pas eu un seul conseil des ministres où on a commencé à attaquer le problème de la vie chère des Gabonais ou le problème du logement, des hôpitaux, de la vie des Gabonais. Non, il n'y a que les nominations. Le conseil des ministres a félicité le chef de l'État, ceci, cela. Mais nous ne sommes plus à l'époque de Kounabeli, c'est fini. Hier, on nous disait encore qu'Ali Bongo était indispensable. Je le disais. Nos cimetières, si vous allez dans nos cimetières, il y a plein de gens indispensables qui sont là-bas dedans. Faites un tour au cimetière. Hein. Tous ceux qui sont là-bas étaient indispensables sur Terre. Donc, essayez. Moi, je ne comprends pas. Il y a des jeunes qui sont sur le marché du travail. Pourquoi aller nommer les pédégistes? Pourquoi aller nommer les francs-maçons? Pourquoi? Je ne comprends pas. Nommer ces jeunes-là. Ils vont faire leur classe, ils vont tracer leur sion. Attends, Ratanga, ou qui a la présidence là? Il a quel âge? La retraite n'existe pas au Gabon. Et quoi? Qui est maintenant à l'Assemblée nationale? Il a quel âge? Il est retraité, vous le ramenez encore? Il y a combien de... Oligarque a ramené combien de directeurs qui sont déjà retraités? C'est quoi le délire? Il manque des jeunes pour faire ça? Vous pouvez mettre un jeune et lui coller quelqu'un qui est retraité pour l'encadrer pendant un an et après le laisser travailler? Quoi? Ou bien vous recrutez en fonction des zones géographiques de vos frères ésotériques, etc. Si vous voulez le faire, faites-le dans vos temples. Oui, c'est Rosa Tanga, excuse-moi. Moi, je ne connais même pas son véritable nom et ça ne m'intéresse même pas. Des gens qui ont induit Ali Bongo en erreur. Et demain, on va vous dire, ce n'est pas le président, c'est son entourage, c'est la chanson. Ce n'est pas le président, c'est son entourage. Lui-même, il est bien, mais son entourage ceci, son entourage cela. Wenceslas Siaba, du SAMU, parlons-en. Il a ouvert le SAMU. Il a mangé l'argent fatigué. Il n'a jamais remis un seul bilan. Quand un donateur remet de l'argent au SAMU, par exemple, il faut lui donner un bilan avec les justificatifs. Aujourd'hui, il trône avec la femme d'Oligui. Mais et le pire, c'est qu'Oligui, il traîne avec Zita, la femme d'Oligui. Oligui se comporte comme un élu du peuple. Mais je tiens à lui rappeler qu'il n'a pas été élu. Hein. Il n'a pas été élu. Les Gabonais ne l'ont jamais élu. C'est un putschiste. C'est lui-même qui a dit qu'il a fait le coup d'État. Donc ceux qui font les coups d'État sont les putschistes. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Aucune expérience dans la relance, en matière de relance économique. On est obligé de faire venir un escroc comme Tidiane. Ça a coûté combien à l'État? Donc, parmi les Gabonais qui sont à l'étranger, qui font de la finance, il n'y en a pas un seul qui est capable de ça. Mais c'est que c'est sacré. C'est que sacré.
où, sauf si on veut nous expliquer que les analyses à 2 balles de Maïs Mouissi étaient faites par Tidiane. On suspend l'Assemblée nationale. On suspend le Sénat. On nomme encore les députés et les sénateurs. Et parmi là, on prend quoi? Les activistes. Allez-y là-bas. On va vous donner à manger et taisez-vous. Fermez vos gueules. Voilà ce que ça signifie. Fermez vos gueules, mangez là-bas. Vous avez même Makona Sangui qui se permet même déjà de faire des nominations. Lui là, il n'ouvre même plus sa bouche. Hein. Il n'ouvre plus sa bouche, ce pantin là. Le jour où on va se voir, je lui dirai 2 mots doux. Il a passé son temps à tromper les gens. J'avais dit aux Gabonais ici que vous voyez, pendant la crise post-électorale, c'était l'un des rares à avoir accès en Djibi au moment où on arrêtait les opposants. J'ai dit, allez-y comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas là. Allez-y voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Djibi, parlons-en. Quand il était en prison, j'ai souffert ici. C'est à moi qu'on envoyait les nouvelles. C'est moi qui publiais. Quand il est sorti, même pas un coup de fil, il m'a envoyé. Même il est venu à Paris, il a vu tous ces gens, il n'est même pas passé me voir. C'était la même chose avec, comment il s'appelle, mon grand frère, là, comment il s'appelle? Jean-Rémi Yama. Sa première prison, j'ai fait le bruit où on s'est vu. J'ai le même conseiller, j'ai dit attention. Attention. Les Gabonais, ils sont très mauvais. Et si tu continues comme ça, ils vont t'avoir une deuxième fois. Et c'est ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup ici. Ils ont fait la prison, j'ai fait le bruit. Quand ils sortent, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a une machine là-bas qui leur lave le cerveau. Et quand ils sortent, ils oublient totalement le bien que vous leur avez fait. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus jamais parler de quelqu'un qui est en prison. Je ne parlerai plus jamais d'un prisonnier. Vous avez affaire à l'État, vous avez affaire à quelqu'un, restez là-bas. Je ne vais plus jamais parler. La cruche est rentrée en prison. Quel est son ami qui faisait les postes? J'étais encore moi-même, j'ai eu pitié. La cruche, au coulou, la solution. J'étais encore obligé de faire les postes pour eux. Certains m'insultaient même croyant que j'ai reçu leur argent. Leurs amis qu'ils avaient autant de vaches grasses, ils étaient où? C'est pour vous dire, faites attention. Faites attention. Mais j'ai décidé dès aujourd'hui, quand le régime prend quelqu'un, le met en prison, qu'il soit innocent ou pas, je ne parle plus de ça. C'est comme les Gabonais, vous, on vous maltraite dans votre entreprise, je ne parlerai plus jamais de ça. Parce que le Gabonais est quelqu'un d'ingrat. Regardez comment aujourd'hui, certains signalent même nos comptes. Certains vont même jusqu'à signaler nos comptes. Ils oublient le bien qu'on leur a fait. Pendant la crise post-électorale, j'étais là, tout le monde m'appelait. Je me suis dévoué à la cause nationale. Ça me fait mal aujourd'hui de voir des Gabonais qui signalent mon compte. Parce qu'ils ont reçu, ils se disent que Oligui va sauver le Gabon, Oligui va, lui aura plus de chômeurs, ils auront les maisons, ils auront tout, les voitures, ils auront tout. Votre ingratitude va vous perdre, va faire que les gens ne puissent plus vous sauver demain matin. Je suis vraiment déçu de certains compatriotes, beaucoup déçu. Même Kelly, je regardais Kelly. Oligui a quel problème avec Kelly? Kelly a fait un coup d'État à Ali Bongo. Il n'a pas fait un coup d'État à Oligui. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Kelly a fait exactement ce que Oligui a fait. Mais pourquoi le garder encore dans les jaunes? Il a quel problème personnel avec Oligui? Celui à qui il a fait le coup d'État n'est plus là. Oligui est venu, soi-disant aussi, lui, il a fait son coup d'État. Bon, on a 2 personnes qui font le coup d'État. Il maintient son frère d'armes en prison, et lui-même qui a fait le coup d'État, il est dehors. Il a quel problème avec Kelly?
S'il a un problème avec Ellie, qu'il nous dise qu'il a un problème, qu'il nous dise clairement qu'il a un problème avec Ellie. Ceux qui ont pillé les caisses de l'État sont sortis de prison. Kelly qui n'a pensé qu'à sauver les Gabonais. C'est grâce à Kelly qu'on a eu l'alerte, qu'on a su que ça n'allait plus. Pourquoi le garder en prison? C'est qui la partie civile, puisqu'Ali Bongo n'est plus là? Ali Bongo n'est plus là. C'est qui la partie civile? Libérez-le! Vous allez jusqu'à signaler les comptes des gens. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! J'ose espérer que Oligui ne va pas, qu'un jour vous n'allez pas vous plaindre d'Oligui. Parce que, de toute façon, je vais regarder certains ici. Je ne sais plus quoi vous dire. Un grand frère qui est au PDG, on s'est pas vu, on s'appelait. Il me disait, petit frère, je loue ton courage, mais ce peuple-là est très ingrat. Et regardez comment il se comporte. À peine 2 mois. Vous ne connaissez même pas quoi la personne. Pour vous, vous avez déjà trouvé le bonheur. On dirait une femme qui vient de rencontrer un homme, elle croit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Mais heureusement que moi, on ne me décourage pas comme ça. Donc, on ne me décourage pas aussi facilement. J'ai pour habitude, et ceux qui me connaissent vont vous dire, je ne mets jamais le doute dans ce que je fais. Quand je fais quelque chose, je le fais bien, avec conviction, et je ne mets jamais le doute. Je ne doute jamais de ce que je fais. Donc, vous n'avez pas réussi à me faire douter. Mais j'attends certains d'entre vous. J'attends. On a commencé déjà à tuer un jeune, non? Les militaires ont commencé à tuer un jeune, non? Oui. Vous m'avez vu, j'ai fait beaucoup de bruit? Non. Parce que c'est votre attitude là qui fait ça. On se met de l'autre côté pour constituer, on se met de l'autre côté pour constituer un contre-pouvoir. Vous vous mettez à nous insulter. Vous vous mettez à nous calomnier. Calomnie encore, ça va. Vous vous mettez à nous insulter. On vous a fait quoi? On a volé l'argent du pays. Ceux qui ont volé l'argent du pays sont là, insultez-les. Vous nous insultez pourquoi? Ceux qui ont volé l'argent du pays sont le gouvernement. Ceux qui ont aidé Sylvia Bongo à... Mais il y a même un sujet que j'allais même oublier. Le Gabon est devenu tellement pathétique que même Sylvia Bongo a compris qu'elle pouvait diriger ce pays. Même Sylvia Bongo, qui n'est pas gabonaise, même Nouridine, n'a même pas... Je crois il a 31 ou je ne sais pas quel âge. Il a compris qu'il pouvait diriger ce pays. Parce que les Gabonais sont tellement pathétiques. Je n'ai jamais vu des gens aussi légers pour de l'argent. Ils vont vendre leur pays. Certains sont même rentrés au gouvernement. Et à propos, qu'est-ce qu'Oligui attend pour prendre tous ceux qui ont aidé Sylvia à gérer ce pays, à les mettre en prison pour trahison? On attend quoi? Vous nous demandez de rentrer. Oui, on veut bien rentrer. On va rentrer. Entre-temps, le commandant en chef de la gendarmerie est toujours là. Le commandant en chef du B2. Le directeur du B2 est toujours là. Le directeur de la DGR est toujours là. Le directeur de je ne sais quoi. Ah, donc c'est nous que vous voulez envoyer en prison là-bas, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Ok, on ira. On ira. Mais vous allez attendre longtemps. Vous comprenez votre style, faire rentrer les gens qui n'ont rien fait, parce que vous attendez Tibo Adjati, c'est Moulinda. Bon, si Moulinda va aller se constituer prisonnier, ça c'est son problème, hein. Mais moi, vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. À l'avenir, ce que nous allons faire, nous allons désormais bétonner nos mouvements. C'est-à-dire, il n'y aura plus de la place pour des opportunistes. Il n'y aura plus jamais de la place pour des opportunistes. Faites-moi confiance. Au Trocadéro, j'arrachais le micro aux gens. Demandez, hein. Renseignez-vous, j'arrachais le micro aux gens. Je lui dis que toi, tu ne parles pas ici. Dégage. Tous ceux qui sont partis là-bas, ils ont intérêt à ce que ça marche.
Si ça ne marche pas, vous ne reviendrez plus jamais dans la diaspora. Vous ne reviendrez plus jamais dans la diaspora. Restez là-bas. Vous ne me connaissez pas. Renseignez-vous ce que j'ai fait en 2016. Renseignez-vous encore. Je prenais le micro, je dis, toi, tu ne parles pas ici, tu dégages. Je suis une boude, je te casse la gueule. Donc, j'ai dit juste simplement à mon frère Jonas de faire très attention. Leur plan, c'est que c'est nous deux qui cherchent. Donc, ils cherchent deux personnes. C'est nous qu'ils attendent. Ils croient que nous sommes des cons et qu'on va rentrer comme ça et qu'ils vont nous incarcérer là-bas avec les fous à la prison centrale. Et qu'ils vont attendre ça. Ils vont attendre ça encore longtemps. Si c'est moi, ils vont attendre longtemps. Donc voilà. Parce que nous, c'est vraiment triste que ça se termine comme ça. On a accueilli des gens qui étaient pourchassés par Ali Bongo. Des dignitaires, des hauts dignitaires du pays qui étaient pourchassés par Ali Bongo. On les a pris. Et ils viennent ici nous mettre le coup de pied dans le derrière. Ça nous apprendra. On a pris la leçon. Charles Mbagé ne sait même pas ce qu'il venait faire dans nos manifestations. Personne ne l'avait invité. Mais il a eu la chance que je ne l'ai pas chassé. Je ne sais pas pour ce qu'il m'avait pris. J'aurais dû le chasser. On a un compatriote ici à qui je voudrais rendre hommage, Paul Éric. Paul Éric, toutes les marches que nous avons organisées à travers la France pour faire le bruit dans les quatre coins de France, c'est Paul Éric qui a mis sa main dans la poche, qui a sorti son argent pour que nous puissions marcher. Il avait tellement l'amour du pays. Il a sorti son argent pour que nous puissions faire les marches à travers la France. Il payait les billets à tout le monde. Il organisait et tout. Aujourd'hui, quel est le Gabonais qui rend hommage à Paul Éric? Vous avez entendu la diaspora faire le bruit, être un grain de sable dans la chaussure d'Ali Bongo. Mais derrière ça, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés financièrement, en argent, en temps, pardon, financièrement, en temps, en moyens, etc. Il fallait louer, il fallait faire ceci, cela. Ce n'est pas fini. Pour nous, le combat n'est pas fini. Oligui a pris le pouvoir. Combien de bongos sont en prison? Voilà le Diborgo qu'Ali a acheté. À combien? À 100 millions d'euros. L'État français est en train de le récupérer. Qu'est-ce qu'Oligui attend pour vendre ça et ramener l'argent au pays? L'hôtel particulier, là, qui est à Paris. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, il faut que les gens comprennent. Il faut que nous tous puissions comprendre. Le Gabon est notre pays. Nous n'avons pas plus fort que le Gabon. Moi, le Gabon, j'y suis né. J'ai appris jusqu'à mon baccalauréat. Je reste très attaché au Gabon. Partout où je passe, je suis fier. Je ne suis pas comme certains en cachant ma nationalité, non. Je leur dis que je suis d'origine gabonaise. Ouais, je suis d'origine gabonaise, je ne le cache pas. Ce n'est pas une tare. Je ne fais pas comme certains. Je me suis battu pour ce pays. Je ne demande pas de médaille, je ne demande pas d'être décoré, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde a vu. En matière de notoriété, je n'ai rien à dire. Je suis arrivé dans des coins reculés de France. J'ai vu ces Gabonais qui m'ont accueilli. Certains sont même allés dans leur maison prendre de l'argent, me donner. J'ai dit non, merci. Tu t'es battu pour ce pays. Certains m'ont invité à manger, boire. J'ai dit non, merci. Je le fais pour l'amour du pays. Dans les coins les plus reculés de France. Je n'ai pas besoin de notoriété. J'arrive, je vois quelqu'un, je m'en vais même peut-être pour une mission. J'arrive, je vois quelqu'un, oh, c'est toi Thibaut Diatis, oui, oh, franchement, tu t'es beaucoup battu pour ce pays. Je t'invite, viens voir madame, viens à la maison manger. Et certains sont allés prendre jusqu'à de l'argent, tiens, franchement, pour le combat que tu as mené.
et que tu continues à mener. Je dis non, merci, ça va. C'est pour vous dire qu'il y a des Gabonais qui sont touchés. Et il y a d'autres Tintin qui sont là juste pour nous bloquer les comptes. Honte à vous. Vous ne savez même pas ce que nous vivons. Vous ne savez même pas ce qu'on a vécu. J'ai vécu pendant combien de mois? Peut-être 3 ou 4 mois. J'allais travailler, je revenais, je passais tout mon temps devant l'ambassade. Et vous venez, vous nous parlez de rentrer au pays, vous nous parlez des postes, vous nous parlez de... Vous êtes léger à ce point? Vous êtes léger à ce point? Les gens qui sont allés voir le sosie, où en est l'enquête? Oligui devait normalement étudier et voir, diligenter une enquête pour savoir s'il y avait le sosie. Il savait qu'il y avait le sosie. Tout le monde savait. Je l'avais dit, je l'avais écrit. Ali Bongo était complètement out. Ce n'est un secret pour personne, je vous l'apprends. Voilà, Ali Bongo était dans une pièce. Il était dans une pièce de sa maison. Il était là-bas avec les domestiques. Et Sylvia Bongo usait de son pouvoir. Il était maltraité, même jusqu'à... Il était maltraité, frappé, parce qu'on lui demandait, dans sa maladie, de répéter les phrases qu'il devait dire. On lui forçait de répéter les choses qu'il devait dire. Et avec ça, quand il ne répétait pas, Sylvia et Nouridine nous frappaient. Oui. C'est la réalité, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Oligui le savait, en tant que commandant en chef de la GR. Il y avait même la nourriture, Sylvia finit de manger, elle va renverser la nourriture. Une fois, elle a trouvé les agents de la GR en train de manger le reste de nourriture. Elle a pris, elle a renversé. Ali n'avait pas accès à ses parents. Et oui, sur terre, quand tu fais du mal, tu subis aussi. Et voilà, Oligui le savait. Il n'y avait pas un coup d'État. Il fallait juste à neutraliser Sylvia et Nouridine, c'est tout. Donc je ne vois pas contre qui on a fait un coup d'État. Vous voyez Ali. On vous dit Ali est en résidence surveillée. Quelqu'un qui est en résidence surveillée vous fait une vidéo. Mais enfin, il y a quelque chose que je ne vois pas. Ou je suis bête, ou je ne comprends rien. Il est en résidence surveillée. Et il vous fait une vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux. Ah bon? Non, mais c'est une blague. On nous dit, Ali Bongo est en résidence surveillée. Quelque temps, on nous dit, il doit aller se soigner. Mais les médecins du CGE avaient jugé qu'il était apte. Il était apte? C'est pas nous, c'est les médecins du CGE. Donc, c'est deux choses. Soit vous arrêtez les médecins du CGE, vous leur demandez ce qu'il leur a pris, où ils avaient pris un peu, ils avaient très mal dosé le chanvre ce jour, où ils avaient pris quelques bouteilles de bière, ça, on peut l'excuser. Mais ils ont quand même affirmé qu'Ali Bongo était apte à participer à l'élection présidentielle. Comment quelqu'un qui a concouru à une élection présidentielle, on va nous dire, quelques jours, juste quelques jours, même pas un mois, hein, juste quelques jours après l'élection, que maintenant, il doit aller se soigner. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Quand un fou comme un impère tue quelqu'un à Libreville, dans Libreville, ou tape quelqu'un, on l'envoie à la prison centrale. Mais vous pouvez aussi attraper Ali, vous l'envoyez à la prison centrale, il envoyait les gens là-bas, non? Quand ils étaient malades, on les soignait. On peut aussi soigner Ali là-bas. Ali a disparu de la circulation, on n'entend même plus parler. Il n'a pas disparu. Il est avec ses frères Bongo. Il est avec sa soeur Pascaline et ses frères Bongo. Il n'a pas disparu. C'est des conneries.
il faut arrêter d'enfumer le peuple gabonais. Il faut leur dire les choses. Ali n'a pas fui. Il n'a pas fui. Il n'est pas malade. Il est avec les bongos. Ils le suivaient. Ils suivent ses soins, etc. Il est avec eux. Et Oligui aussi est avec eux. Vous avez fait le coup d'État. Contre qui? Vous avez neutralisé Sylvain Nouridine, c'est tout. C'est que ça, le coup d'État, il n'était pas président de la République. Et il y a des Tintins. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il vous a sauvés de quoi? Ali Bongo dirigeait quoi? Si Ali Bongo, si Oligui a des problèmes personnels avec son frère, Freddy, son frère, parce que ce sont les Bongos, moi je dis toujours, soyez méfiants. Ne rentrez pas dans les bagarres des Bongos. Oligui, c'est un Bongo, il appartient à la famille Bongo. S'il a ses problèmes avec Frédéric, il règle ça là-bas, ne rentrez pas là-dedans. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas et on ne veut pas rentrer là-dedans. Donc, si Oligui a ses problèmes avec Frédéric, qui règle ça avec Frédéric? Ce sont des Bongos. Vous allez voir demain décret, Frédéric est réhabilité et tout ça, tout ça, tout ça. On est déjà habitué. À moins de 2 semaines, on nous dit Ali Bongo est libre de sortir du pays. Même pas 2 semaines, 1 semaine. Il est libre de sortir du pays. Il peut aller se soigner. Il peut. Mais il va se soigner avec quoi? Ali Bongo est milliardaire. Il a détourné des budgets entiers. Pendant que nous y sommes, faites aussi l'inventaire. Omar Bongo, avant de quitter, avant de mourir, a laissé des choses à la présidence. Il a laissé des choses à la présidence. Il a laissé des véhicules qui valent aujourd'hui des millions, des milliards de francs CFA. Des millions, disons, même des milliards de francs CFA. Où sont ces véhicules? Où sont ces véhicules? Dites-nous où c'est parti. J'avais commencé à dire aux gens que non, ils ont arrêté l'argent par-ci, ils ont arrêté tant de milliards par-là, ils ont arrêté tant de milliards par-ci. J'ai dit arrêtez. Vous allez voir comment ça s'est terminé. Déjà, il y avait une opacité sur cet argent. Quand vous arrêtez, moi, si je vais mener une enquête, je trouve 1 milliard, je note 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, je note. À la fin, j'ai dit au peuple gabonais, voilà l'argent que j'ai pris. On a perdu le chiffre. Maintenant, les metteurs en scène ont mis Oligui face à Don Simon, qui est venu de remettre 7 milliards. Je dis bien les metteurs en scène, hein. Ce sont des gens qui peuvent concevoir un très bon film d'action et tout à Hollywood sans problème. Ils sont venus remettre à Oligui, à Don Simon, 7 milliards de francs CFA. C'est tout ce qu'on a trouvé chez la Young Team et chez Sylvia. Non, mais vous nous prenez pour qui? Respectez-nous quand même. Respectez-nous. Pourquoi Oligui ne gèle pas les comptes? Aujourd'hui, Sylvia sort de prison. Elle prend son compte tranquillement. Elle a accès à ses comptes bancaires offshore, comme au Gabon, comme à l'étranger. On peut monter une commission rogatoire et demander à ces banques de nous restituer l'argent. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? On peut bien monter, on peut envoyer à Kombessi. Moi, ce que je veux, c'est voir l'attitude d'Oligui face à Kombessi. Oligui peut lancer un mandat d'arrêt à la justice contrôlée par Oligui. J'attends le mandat d'arrêt qu'on va lancer à Kombessi. Jusqu'à présent, aucun mandat d'arrêt vis-à-vis de Kombessi. On ne demande même pas à gérer ses comptes, sachant que l'argent vient du Gabon. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Expliquez-nous. Vous dites Oligui, il est bon, il est président, il est ceci. Oui, je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Mais regardez les erreurs. Si vous partez à Bicic, demain vous voulez 10 millions, vous fuyez le pays.
on va vous envoyer un mandat d'arrêt international. Mais comme ils sont dans les mêmes sectes maçonniques qu'à Kombessi, ils ne peuvent pas demander à Kombessi, ils ne peuvent pas envoyer un mandat d'arrêt international à Kombessi. Parce que c'est leur frère. Ce sont les fils de la veuve. Mais de qui se moque-t-on? S'il vient en prison, oui, si elle sort là, elle va en France, elle récupère son argent. Nouridine quitte là, il va en France, il va au Canada, il va aux États-Unis, il récupère son argent. La femme de Nouridine, elle a payé le Gabon. Elle est à l'étranger avec son argent. Ils sont aussi, vous criez sur Sylvia pour rien. Elle sort là, elle est milliardaire, elle a 6 milliards de francs CFA. On n'a jamais rien fait pour bloquer. C'est de l'argent qu'on peut prendre pour faire les routes. Parce qu'Oligui lui-même, il sait qu'il est dans cette mafia-là. Il sait qu'il est dedans. Comment il savait qu'il y avait l'argent là-bas? Il sait qu'il est dedans dans cette mafia. S'il vous dit qu'il renonce au salaire de président de la République, c'est qu'il a trouvé une entrée quelque part. C'est qu'il a eu l'argent quelque part. Vous savez comment on fait pour acheter une maison aux États-Unis? Olivier a près de 3 maisons aux États-Unis. Pour acheter une maison aux États-Unis, ce n'est pas facile. Soit vous êtes un agent de renseignement américain, ou soit vous connaissez les hommes politiques. C'est une dame qui m'explique, qui n'est même pas gabonaise d'ailleurs, qui m'explique qu'Olivier achète sa maison en espèces, avec tout le matériel qu'il y a à l'intérieur. Elle me dit, mais j'ai devenu folle. Lee White, il est venu, il a pillé le pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris Lee White, vous l'avez demandé de partir. Mais encore là, on nous explique que c'est un accord. Les Anglais se sont dit, si vous essayez Lee White, nous on ne soigne pas Lee. Et on va arracher tous ces Calais ici en Angleterre. Donc le deal, c'était ça. Ils l'ont laissé partir. Mais ce sont des comédiens. C'est quel coup d'état comme ça? Même nous, si on boit le vin là, on part faire un coup d'état, on ne va pas agir comme ça. Même un soulard qui fait un coup d'état, il réussit, il ne va pas agir comme ça. C'est quel coup d'état? Billy Binzela, il a volé. Je ne sais même pas, je peux le démontrer. Il n'est pas inquiété. Guy Patrick Obiang, l'argent de la COVID. Des milliards, les gens ont donné pour soutenir notre pays, la communauté internationale. Les Gabonais se sont cotisés. L'argent a disparu. Suivi. Oligé où? Sa justice est où? Il y a un petit jeune là qui avait volé ce matin. Il a volé quoi? 100 millions. Il a eu le malheur de. Lui aussi, je ne comprends pas. Tu voles 100 millions, ça fait 150 000 euros. Va aux États-Unis ou va en France. Ici, on t'arrête, après on te laisse tranquille. Il a pris 100 millions d'euros, je crois. Il est parti à Dakar. À lui, on lui a envoyé quoi? Un mandat d'arrêt international. Aujourd'hui, il est incarcéré à Port-Gentil. Sa pauvre femme, qui a juste eu la malchance d'être sa copine. Elle aussi, elle est incarcérée. Ouais, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Elle vous explique qu'elle a eu l'argent comment? C'est le mari qui a pris, c'est lui qui travaille à la banque. La femme, la copine et quoi? Donc aujourd'hui, si moi je vole l'argent, on va prendre aussi ma copine, on va la mettre aussi en prison parce que ma copine ou ma femme, on va la mettre en prison parce que c'est moi qui ai volé. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Mes enfants, je ne vous comprends pas. Ce que je ne comprends pas dans ce pays, c'est que les gens ne comprennent pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi vous dites Oligui, Oligui ceci, Oligui cela? Mais pourquoi ils ne gênent pas les comptes? Les Boukoubila sont des milliardaires. Les comment vous les appelez? Milebou, les comment vous l'appelez? Opianga. Ce sont des milliardaires, ils ont pillé le pays. Les bateaux, je ne sais pas, ils ont pillé le pays, mettez-les en prison.
Sinon, arrachez l'argent. Homme indigne, vous remettez l'argent. Sinon, vous mettez en prison. Ils vont vous remettre l'argent. Il y a des projets à faire avec cet argent. Il y a des projets à réaliser avec cet argent. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous... Comme disent les Ivoiriens, il faut arrêter de nous blaguer. Il faut vraiment arrêter de nous blaguer. Un temps soit peu, soyez sérieux. Il faut vraiment arrêter de nous blaguer parce que... Je pense que dans ce pays, on s'amuse un peu trop. Il faut vraiment que Oligui arrête de nous prendre pour des enfants. Vraiment qu'il arrête de nous prendre pour des enfants. Déjà, un, il n'a pas fait un coup d'État. D'accord? Il a juste neutralisé Sylvie et Nouridine. Donc, c'est tout. Ce n'est pas un coup d'État, ça. Le coup d'État, tu neutralises le président de la République en fonction, en exercice. Tu le neutralises, et là, tu neutralises aussi son entourage, et c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Sylvia Bongo et Nouridine n'avaient aucun rôle dans l'appareil étatique. Donc ce n'est pas un coup d'État. J'ai libéré le pays. Mais tu as libéré le pays de quoi? J'ai libéré le pays. Tu as libéré quel pays? Tu n'étais pas commandant en chef de la GR. Ou bien? Tu as libéré quel pays? Bon, moi je pense à mon avis que ça doit cesser. Et puis, nous devons franchement être très vigilants. Et moi, je demande aux compatriotes qui pensent que tout est devenu rose dans ce pays d'arrêter de nous demander de rentrer parce que moi, ça ne marchera pas avec moi. Et de deux, nous continuons nos investigations. Donc, nous continuons toujours à voir ce qui va se passer. On scrute l'horizon. Et puis, voilà. Donc, si seulement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on prend le peu que les Bongos ont pris, si on prend le peu que les Gabonais, certains Gabonais qui sont en haut, ont volé, je vous assure, on pourra construire des hôpitaux high-tech de dernière génération. On aura même les routes avec au moins 30 centimètres, au moins 30, comment, 30 centimes, même un mètre, hein, enfin, je sais pas, on aura un goudron de cette épaisseur. Oui, on aura des routes dignes de ce nom. Un président de la République qui va chez Sassou. Mais tu es président, mon gars. Tu n'es pas son fils. C'est-à-dire, même si vous devez être familier, c'est derrière. Mais c'est pas comme ça tu viens, tu te présentes comme si... à vos ordres, mon président. Mais enfin... Oh, mon frère. Attends. Hein? Tu es président de la République, tu vas avoir un autre président dans un autre pays. À vos ordres, mon président. À vos ordres, monsieur le président. Mais tu es son collègue. Bon, moi, les choses du Gabon, je ne comprends pas. Hein. Les choses du Gabon, je ne comprends pas. Je regarde avec les yeux. Vous savez, c'est un pays particulier, le Gabon. C'est un pays particulier. C'est un pays où on expérimente tout en si peu de temps. Donc, je ne serais même pas surpris qu'un jour, on crée une fusée hein, qui va exploser peut-être à Mindoubé. En vol, et il va exploser, et puis il va tomber à Midoubé. Je ne serais pas étonné. Parce que ce pays-là, je ne suis pas au bout de mes peines. Je ne suis pas au bout de mes peines. Quelqu'un qui va dans un président de la République, qui a pris le pouvoir, qui va voir son collègue, il y a vos ordres, monsieur le président. Ah, si tu n'es pas encore président dans ta tête, remets le pouvoir à quelqu'un d'autre. J'avais même oublié un autre sujet. Ping! Il est venu dans la diaspora nous blaguer, celui-là. Il est venu nous blaguer. Vous avez vu quand il a été reçu par Oligui. Vous avez vu qu'il a amené un membre de la diaspora. On avait des gens ici qui se battaient pour lui matin, midi et soir. Ce sont ses fils, les membres de sa famille qu'il a amené voir Oligui. Il parlait son cabinet. Et c'est ça là qu'on ne veut pas. C'est ça là qu'on ne veut pas. On avait déjà dit à Ping. Les gens m'avaient dit, attention, ton Ping là, attention. Mais je crois que je suis quelqu'un d'honnête. C'est vous qui avez raison.
Plus jamais dans ma vie, je croirai à Ping. C'est un petit blagueur. C'est vraiment un blagueur. Vous avez vu, il est parti. Non. Celui-là, il faut le laisser. Mais je reviens encore sur Olivier. Vous voyez le capitaine Traoré. 32 ans. Non, il a quoi? Il a 34 ans. Hein? 34 ans. 34 ans. Vous le voyez aller voir son homologue et dire, mais respect, mon monsieur le président. Déjà, regardez, hein. Regardez, c'est pas. J'essaie un peu de scruter. Quand vous regardez Traoré parler, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, quand vous l'entendez parler, vous voyez, vous écoutez l'éloquence, l'intelligence de l'être, de l'homme, pardon. Vous voyez qu'il en a dans la mémoire. Il est très éloquent quand il parle. On est loin de celui qu'on a là, qui parle de façon désordonnée. Ouais, j'ai fait, le président Sassou nous a mené une route, donc qui s'arrête à la frontière du Gabon, c'est une honte. Hey Joe, tu n'es pas président, tu n'es pas encore politicien, tu n'es qu'un militaire, tu n'as pas été élu. Tu n'es qu'un simple militaire, tu n'as pas encore été élu. Donc, il faut faire mollo-mollo, il faut aller mollo-mollo. Il faut aller mollo-mollo. Le président Sassou nous a laissé la route, c'est une honte. Mais non, un militaire, ça bosse, ça parle pas. Ça bosse, on voit, ça parle pas. Ça parle pas. Tu n'as pas été élu. Tu n'as pas été élu. Le peuple gabonais ne t'a pas élu. Faut pas confondre. Faut pas confondre des choses. Donc voilà. Je tenais ce soir. Je vais m'arrêter là. Je tenais ce soir à vous remercier. Vous tous qui avez voulu m'écouter. Je pense que d'ici là, je referai un autre tour, peut-être. Je verrai bien. Et je pensais vous entretenir sur beaucoup de choses. Mais je crois savoir et mes renseignements me disent bien que le général Eupin, moi je l'appelle pas le général, Oligui est sûrement en mission et je crois qu'il va continuer le temps que Junior prenne de l'âge et on ne sera pas surpris de voir Junior arriver au pouvoir. On ne sera pas surpris. Parce que si on va déjà jusqu'à appeler, dire mes ordres, mon général, et si mes ordres, monsieur le président, et si monsieur le président dit mes Junior au pouvoir, ou organise les élections et fait passer Junior, on ne sera pas surpris. Ce n'est pas, je répète encore, ce n'est pas la chasse gardée de Bongo. On prépare, Oligui prépare sûrement Junior. Il va rester quelques années, le temps que Junior arrive. Je vous le dis, vous le verrez. Donc voilà, j'ai essayé de vous entretenir sur pas mal de choses. Je vous dis simplement que soyons vigilants. L'euphémisme, essayez un peu de baisser, soyons un tout petit peu calmes, voyons les choses et laissez-le 6 mois, 1 an, vous allez voir. On n'a pas besoin, hein, mais sauf que moi je vois Olivier comme quelqu'un qui avance, il n'a pas de feuille de route, il n'a rien du tout. On ne sait même pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait déjà. Donc, on ne sait pas où on va. Promesse, 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 promesse. Je ne vois rien. Nomination, promesse. On n'a aucune feuille de route. On va où? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez où on va. Moi, je n'ai aucune visibilité. Je ne sais pas où on va. On nous berce comme des enfants. Restez tranquille. Je vais faire le boulot. Restez tranquille. Vous aurez ici. Restez tranquille. Vous aurez... Les enfants sont rentrés à l'école. Hein. Nous sommes en saison de pluie là. Les transports scolaires, ils n'en ont pas. Il y a des écoles. Je me demande. Oligui fait complètement ce que faisait Ali. Ali passait plus du temps à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, personne ne l'a vu à l'intérieur du pays. Mais le Gabon, c'est pas seulement Libreville.
Tu as grandi en Goni. Goni, c'est quoi? C'est pas l'intérieur du pays. C'est pas l'intérieur du pays. Je n'ai jamais vu Oligui partir à l'intérieur du pays. Il a tué qui là-bas? Je ne sais pas. Faut te présenter aux populations. Elles ne te connaissent pas. Et c'est devenu une habitude pour ces ministres de menacer les gens. Ça, j'avais oublié. Oui, si vous ne voulez pas faire votre boulot, rendez votre poste budgétaire, rendez ceci, faites cela. À la mairie, on menace les gens. C'est quoi ça? C'est votre façon de travailler, la menace? Ce sont des pères de famille à qui vous vous adressez. Je vous assure que mon chef de service, mon chef, mon N plus 1, il s'adresse à moi de cette façon. Je vous jure, je le gifle et je m'en vais. Ce sont des pères de famille. Dosez votre langage. Vous pensez un seul instant aux enfants de ces gens-là qui regardent vos menaces à 2 balles là? Vous êtes obligé de parler? Vous pouvez faire simplement une note de service? Est-ce que vous êtes obligé de parler? J'ai vu un ministre bras cassé. Je ne sais même pas où il a exercé pour la première fois. Oui, les médecins ne veulent pas aller à l'intérieur du pays, ils rendent leur poste budgétaire, etc. On les paye avec l'argent de ton père. Il y a une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus douce d'expliquer les choses aux gens. C'est des pères de famille. Et là, si quelqu'un vous manque de respect, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi si quelqu'un vous manque de respect? Vous direz quoi? Qu'il soit impoli? Il faut parler à vos ministres. Déjà, ils n'ont aucun sens du management. C'est vraiment le management à la villageoise. Entre ceux qui demandent dans les ministères à leurs collaborateurs de prier le matin et ceux qui menacent. C'est ça l'administration gabonaise? C'est ça dans ça que vous voulez qu'on vienne travailler? Un ministre qui dit aux gens que les menaces, il n'y a que des menaces. Faites une note de service. Dans l'administration, il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte. Vous pouvez par exemple mettre des primes pour encourager les gens. Je mets une prime de 20 000 francs par mois. Ceux qui sont au travail très tôt, il suffit que vous soyez en retard 3 fois, vous n'aurez pas cette prime. Vous verrez les gens venir au travail. On n'est pas obligé d'utiliser la menace. On n'est pas obligé d'utiliser la menace. Dites aux gens, on met une prime incitative. Celui qui vient au travail à 8 heures, ben, on met une prime incitative de 30 000, de 20 000. Il suffit juste que vous ayez 3 retards dans le mois. On ne vous la donne plus. Vous allez voir les gens venir au travail à 8 heures. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ceux qui travaillent un peu plus, le jour où il y a par exemple plus de boulot, qui termine tard, ils passent à la caisse, on paye les heures supplémentaires. Combien d'administrations gabonaises payent les heures supplémentaires? Quelqu'un peut venir au travail en retard, oui, mais il peut rattraper, sortir tard le soir. Qu'est-ce qui vous a dit que parce qu'il est venu le matin en retard, qu'il ne peut pas sortir tard le soir? Ce sont vos chômeurs de Paris, là. Quand tu as travaillé dans une administration, ça se sent. Moi, demain matin, je m'en vais au travail à 10 h, mais je vais finir à 19 h. Pourtant, je commence à 9 h. Quand vous prenez des chômeurs à Paris, vous allez les mettre dans les administrations, et bien ça donne ce genre de cacophonie. Il n'y a pas que la carotte, il y a aussi le bâton. Il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte. Mettez des choses incitatives. Modifiez, modernisez l'administration. Faites en sorte que des gens qui travaillent, ils aient une prime. Une prime incitative. Déjà à midi, pour manger, il faut prendre dans son argent. Le ministère peut au moins donner une prime de nourriture, une prime, comment on appelle ça, pour la ration alimentaire à chaque travailleur. Il y a l'argent. J'ai vu les tableaux. La douane doit rapporter tant de milliards, tant de. Mais oui. Mais c'est pourquoi?
Pour mettre dans les poches d'Oligui? Vous prenez des chômeurs à Paris, vous allez en faire des ministres au Gabon, et vous voulez quel résultat? Oui, Maïs Moïse était chômeur, il travaillait où? Il t'a dit où il travaillait? Quand tu as travaillé dans une administration, ça se sent. Ça se sent, c'est là, c'est dans la tête. Il y a une façon de manager. J'ai des équipes. J'ai eu des équipes. On dit, voilà ce qui se passe. Vous travaillez comme ça, on vous donne ci. Vous travaillez comme ça, on vous donne ça. Au lieu d'aller menacer des pères et des mères de famille. J'ai vu ça avec Maïs Mouissi et le ministre de la Santé. Qui sont allés dire, si vous ne voulez pas travailler, vous remettez votre poste, vous ne voulez pas aller en province, vous remettez votre poste budgétaire. L'autre tintel arrive le matin, il est 8h. 8h, il y a les embouteillages au Gabon. Ça fait longtemps que j'ai mis les pieds au Gabon. Donc j'essaie d'imaginer. Il y a les embouteillages. Le temps de déposer les enfants. Le temps de te trouver un chemin pour venir au travail. Tu habites au Vendo. Tu habites à Kanda. Tu fais comment pour venir au travail à 8h? Si tu viens en voiture, le transport, le système de transport en commun, il est moribond. Il est moribond. Les taxis, ceux qui viennent en taxi, ils doivent se battre pour avoir une place dans le taxi pour être au boulot. Mais enfin, et tu vas demander aux gens d'être au travail à 8 heures. Tu vas regarder les conditions de transport. Là-dedans, tu as les mères, tu as les familles monoparentales. Une seule personne va déposer deux enfants, un là, l'autre là-bas, et après va au travail. Tu fais comment? Donc, tout pour vous, c'est l'armée. Tout pour vous, c'est la menace. Il y a quand même une façon de parler aux gens. Maïs Messi, il arrive dans un bureau. Même son français n'est pas adapté à la circonstance. On ne parle pas comme ça au père de famille. Il y a un langage. Tu les convoques, vous arrivez, tu cherches d'abord à compter. Il faut d'abord comprendre pourquoi ils sont venus en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas à votre poste à telle heure? Ils vous donnent les raisons. À partir de là, vous réfléchissez tous ensemble pour faire en sorte qu'ils ne reviennent plus en retard le lendemain. À moins que ce soit un ballet ou un cirque que vous avez voulu me montrer. Non, mais franchement, il faut revoir le management de certains ministres quand même. Bon, certains, de presque tous ces ministres-là. Je crois que c'est vraiment le travail à la villageoise. On est vraiment, comme a dit mon grand frère Gyabanda, c'est vraiment... la République au village. On ne travaille pas comme ça. L'autre aussi au Rwanda, là-bas, il va. À Kigali, il va. Ouais, tous les chômeurs. Ceux qui ont fini là, il faut rentrer. Il faut rentrer. C'est toi qui as payé leurs études. Ou bien c'est toi qui les as envoyés étudier. Je crois que si on parle des choses du Gabon, ça risque de réveiller ma tension. Mieux, je m'arrête là, j'ai juste voulu voir. Parce que quand vous avez travaillé, ça se sent. Quand vous avez un certain management, ça se sent. Bon, bien sûr, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. À la prochaine.